Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau stream. Euh, je ne sais pas si, euh, si tout se passe bien, si tout va bien, si vous voyez bien, si vous entendez bien. N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes déjà là. que je pense que ça marche pas trop mal. C'est super. Hello Top Bard, bonjour à toi. Eh bien c'est parfait si on m'entend. C'est nickel. Bonjour à Arakis, à tout à François. Bonjour à Myriam. Merci beaucoup d'être euh, ici pour euh, ce nouveau stream. On va aujourd'hui donc euh, continuer parce que ça vous a beaucoup plu la dernière fois. On va continuer donc notre euh, étude du Tractatus de Ludwig euh, Wittgenstein, comme l'a annoncé cette petite introduction euh, vidéo. Alors, ce que vous avez entendu, euh, c'est un concerto de Ravel, un concerto, le concerto pour la main gauche, euh, pour Paul Wittgenstein. Euh, et donc, du coup, un lien évidemment avec Ludwig Wittgenstein, puisque les Wittgenstein étaient une grande famille d'armateurs très très riches. Et donc, ils recevaient chez eux énormément de gens euh, très célèbres de leur, euh, de leur temps. Merci beaucoup à vous d'être là, ça me fait très très plaisir de, de vous voir. Oui Antoine, je, je t'avais reconnu, ça me fait plaisir de te voir ici sur ce stream. J'ai l'impression que le rendez-vous du premier mardi du mois maintenant, ça y est, a été, a été pris, a été acté. Je retrouve les aficionados de la cellule, les grognards. <laughs> ça me fait très plaisir que vous soyez tous là, c'est super. Et puis comme ça, eh ben, on va pouvoir continuer notre exploration du tractatus. Mais avant, comme chaque semaine, on va faire un petit point sur euh, mes actualités, les actualités du JDR. Bienvenue, Yorgel. Euh, Alors, euh, on commence immédiatement. Avec euh, l'annonce, euh, vous le savez, vous le savez si vous avez suivi ces, ces lives euh, depuis le départ, euh, mon entreprise euh, ne va pas bien et donc euh, les, les chiffres ne sont pas bons du tout. Euh, mais du coup, en fait, euh, j'ai mis en place toute une stratégie une stratégie pour euh, essayer de relancer un petit peu euh, la, la machine et parmi donc euh, cette, euh, ces éléments en fait de, de, de stratégie il y a bien entendu euh, l'augmentation vous vous en doutiez je vous l'avais dit l'augmentation donc du prix des jeux. Donc euh, mon ami euh, Darky, qui s'occupe euh, de, de tout ce qui est... Euh, de, mon sidekick numérique, n'est-ce pas Qui s'occupe donc de tout le, de tout le, le dispositif euh, euh, de, de, de la boutique, etc. A donc pris soin aujourd'hui de monter absolument tous les prix de la boutique. Salut Boudy, ça me fait très plaisir. Salut Jurgiel. Bienvenue à vous sur euh, sur le chat. N'hésitez pas à participer, hein, j'essaye d'être le plus réactif possible euh, sur euh, à, à ce chat. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. C'est l'occasion aussi comme ça de se, se donner un petit rendez-vous pour euh, pour discuter. Alors euh, donc voilà, comme vous pouvez le constater, bah, tous les prix ont été ont été augmentés. Le Maelstrom est passé de 20 à 25. Euh, le triptyque du Val est passé à 50€. euros. a beaucoup augmenté puisqu'il est resté à 0€. euros. Vous le savez, c'est un jeu qui est qui n'est pas à vendre qui est euh, en téléchargement ex nilo est toujours en téléchargement gratuit bien entendu donjon et domino est passé à 20 euros vous pouvez constater aussi que les sens sont passés de 25 à euh, 30 euros mon plat préféré Boudi <laughs> merci pour ces questions euh, mon plat préféré je pense que c'est je pense que c'est euh, frites euh, je suis un enfant je suis un enfant donc ça va être c'est euh, caché frites tu vois je prends toujours le menu enfant moi tu vois mais euh... Donc voilà, euh... <laughs> voilà, voilà, pour ta réponse. Donc vous voyez, vous voyez que tout a augmenté, hein. les, les prix ont, ont vraiment augmenté, tout c'était augmenté de plus ou moins 5 euros. Euh, voilà, plutôt que de déguiser en fait une augmentation des prix des ouvrages euh, derrière euh, une augmentation des frais de port, comme le font la plupart euh, des éditeurs, et eh bien moi j'ai choisi d'augmenter directement euh, facialement en fait le prix des jeux, parce que ça change absolument rien. Euh, voilà, les frais de port ont également augmenté, euh, donc euh, donc voilà, c'était 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 annoncé, vous le saviez, hein, qu'à partir du, du du mois d'avril les prix seraient augmentés et d'ailleurs vous avez été nombreux nombreuses à profiter de des derniers instants donc du mois de mars et de la fin février pour acheter les jeux à leur prix originel et euh, du coup et eh bien ça a fonctionné ça m'a permis de rassembler en fait un trésor de guerre euh, financier et trésor de guerre qui va me permettre de pouvoir continuer l'aventure et donc de lancer les jeux à venir. D'ailleurs, grâce à ce trésor de guerre, j'ai d'ores et déjà acheté les billes d'Exnihilo que je vous avais montré la dernière fois. Et je commence à travailler également avec mon illustratrice euh, Alice Umrani sur le prochain projet, le prochain projet de jeu de rôle que je vous montrerai très bientôt, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. J'ai pas encore assez d'éléments à vous montrer, à vous dévoiler, et puis j'aimerais faire une émission spéciale pour, euh, pour en parler. Euh, salut Emma, ça me fait très plaisir de te retrouver sur le stream également. Alors, donc voilà, donc premier élément, ce que je voulais vous annoncer, c'est l'augmentation du prix des livres. Et euh, évidemment, euh, donc pendant un mois et demi, vous avez pu profiter avant cette augmentation. Des, derniers, des prix euh, initiaux et donc euh, ça vous a incité, et ça a fonctionné, hein, ça vous a incité à acheter les jeux et comme ça à me confectionner un petit trésor de guerre pour publier mon prochain jeu. Donc ça, je vous remercie beaucoup, ça va me permettre comme ça de pouvoir respirer un peu et de rematérialiser mes jeux, ce qui est de loin la, la meilleure solution à mon avis pour pallier au problème, au problème de, 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 de rémunération. Euh, oui, bon, ça viendra, ça viendra, Yurgel. C'est promis, je te, je te montrerai tout ça. Euh, donc voilà. Donc ça c'est un premier élément. C'est que grâce à cette augmentation de prix, bah, j'espère redresser la barre. Et grâce à cette augmentation de prix, vous avez acheté les jeux. Et donc euh, ça m'a permis de, de récupérer un petit pactole avec lequel je vais pouvoir travailler sur la suite. Euh, je voulais également vous annoncer que je serai à Saint-Malo. Aux portes ouvertes euh, du de la de la du de, de, des seigneurs d'Alette. De les seigneurs euh, d'alète euh, ce sont euh, une une bande d'individus de, de, de malouins qui Pratiquent le jeu de rôle à Saint-Malo au sein d'une as association qui s'appelle les Seigneurs d'Alette. Et donc, euh, ils, pour fêter leurs 30 ans, ils organisent leur euh, première porte ouverte. Je crois qu'ils n'avaient jamais fait ça euh, jusqu'à maintenant. Euh, et donc, du coup, euh, ils ont loué une salle, donc la salle des fêtes de Roténeuf 9, pour organiser ce salon donc, qui aura lieu le samedi, donc euh, ce week-end, euh, à partir de, de 10h. Vous avez toutes les informations. D'ailleurs, je devrais peut-être vous partager. Quand je... Quand je partage des trucs comme ça, je devrais peut-être vous le partager. Euh... Je devrais peut-être vous donner les liens comme ça. Tac, c'est ça qui se fait. Uh, Boody Live me dit rien à voir mais Trip to Sky c'est chaud, je pense qu'il parle de la campagne qu'ils sont en train de jouer en ce moment avec uh, Antoine Foin Ils ont commencé, uh, ils ont commencé une campagne, <laughs> j'ai reçu déjà des musiques et des chants de marins, des trucs comme ça uh, Donc uh, voilà, ça a l'air chaud, ça a l'air chaud, bah, tant mieux, tant mieux Boody, ça me fait plaisir uh, Donc voilà, donc je serai aux portes ouvertes des Seigneurs d'Alette euh, de l'Alliance des Seigneurs d'Alète, puisqu'il faut être très précis. Euh, je serai aux portes ouvertes samedi à Saint-Malo, donc si vous voulez me croiser, si vous habitez euh, Rennes, Caen ou les environs, euh, eh bien vous, pouvez, vous pourrez comme ça me croiser à cette euh, petite convention. Je viendrai euh, enregistrer notamment euh, les, les tables rondes. Et puis, euh, ça me donnera l'occasion, comme ça, de rencontrer les associés de Saint-Malo. Je les connais euh, pour la plupart dans l'intimité, mais euh, je ne sais pas exactement. C'est assez marrant. Ce que j'ai fait, je, évidemment, je, je joue pas mal à Magic sur Saint-Malo. Donc, euh, vous imaginez que tous ces rôlistes, je les ai rencontrés plus ou moins. Hein. Vous avez eu d'ailleurs l'occasion d'entendre dans les podcasts de la série quelques-uns d'entre eux. Donc, euh, des gens comme Johan Fichet, des gens comme Julien Botton, des gens comme, euh, comme Damien, que vous, avez, euh, que vous avez entendu également. Euh, donc euh, voilà, vous, vous en avez certainement entendu des membres du des seigneurs d'alette Donc c'est l'association de jeux de rôle de Saint-Malo. Euh... Et ben voilà, je crois que donc si vous voulez encore une fois découvrir cette association, cette association qui a énormément grossi depuis la fin du confinement, ils sont euh, très très nombreux maintenant à faire partie de cette association. Avant le confinement, ils étaient peut-être une dizaine, et puis maintenant, euh, ils sont une quarantaine apparemment d'associés. De, de, donc, c'est une grosse association de jeux de rôle dans la région, et ça fait très plaisir de voir que le jeu de rôle est bien vivant en Bretagne et surtout à Saint-Malo à travers euh, donc euh, les seigneurs. Dalet. il euh, y a trop d'Antoine dans l'univers de romaric me dit Top Bard. Oui, c'est vrai vous êtes nombreux vous êtes très très nombreux les antoines <laughs> sais-tu sais-tu antoine qu'il existe en, en disant sais-tu antoine je sais que je m'adresse à environ la moitié 50% de ma communauté donc sais-tu antoine qu'il existe un, un comment dire une, une association une amicale de tous les antoines de france et que leur slogan c'est antoine ne, antoine ne doute jamais Antoine ne doute jamais, voilà, petite promotion pour cette association euh, des Antoine, euh, voilà, c'est vraiment, hein, vous apprenez des tas de choses dans ce stream, c'est incroyable, là. donc voilà, donc voilà tout ça, oui tu connais, bah ouais, bah, je m'en doutais que tu connaissais tout ça, donc voilà, en tout cas, une occasion de découvrir les seigneurs, euh, l'alliance des seigneurs d'Alette, donc samedi, prochain pour la convention qui fêtera les 30 ans de cette association. Voilà, voilà. Euh, je voulais également euh, vous parler d'un rendez-vous... Alors, je j'ai noté, j'ai bien noté que vous aviez adoré, vous aimiez beaucoup donc les les commentaires du tractatus de Ludwig Wittgenstein. Donc j'ai décidé de maintenir évidemment ce rendez-vous autour du tractatus. Je pense que je vais continuer comme ça, tous les streams, à faire ce petit rendez-vous avec vous. Ça me fait très très plaisir de vous commenter le tractatus et de vous montrer toute la richesse de, du travail de Ludwig Wittgenstein, en tout cas du premier Wittgenstein. On parlera peut-être du second plus tard, mais déjà on va, on va travailler sur le premier. Et donc du coup, comme ces streams sur Wittgenstein vous plaisent beaucoup, et eh bien ma foi, euh, je pense que je vais faire des streams spéciaux pour parler euh, d'autres choses. Je dire que je vais essayer de régulièrement vous parler du Tractatus, garder ce rendez-vous avec vous, et puis euh, peut-être eh bien organiser du coup des streams spéciaux pour parler de sujets autres. Et euh, à ce titre, il y en a, il y a déjà un sujet comme ça qui est prévu avec vous. Ce sera le 25 euh, juin. Le 25 juin. Donc euh, notez euh, bien la date. Hein. Le 25 juin, je ne me trompe pas, c'est bien un mardi. Hein. Attendez, j'ai même pas vérifié avant le stream, c'est bien. Hein. Je suis au top. Euh, le 25 juin. Oui, c'est bien un mardi. Ce sera un mardi, donc, euh, comme, de, comme vous en avez l'habitude. Euh, ce sera un mardi, et donc, le 25 juin, vous retrouverez à une émission spéciale, un live spécial consacré au village, et consacré à un travail très particulier qui a été fait autour du village, un travail qui a été fait par euh, Guillaume Rioux et son frère. Euh, un travail de statistique, en fait, autour du village, et ils nous montreront un document très intéressant dans lequel il détaille les mathématiques derrière le village. Donc ce sera l'occasion comme ça de parler euh, de parler du village, de de détailler des stratégies, d'étudier avec vous les différentes possibilités qu'offre le village et de calculer en fait carte après carte, stratégie après stratégie les probabilités qui se cachent derrière celles-ci. Donc ça va être un live absolument ouf en termes de salut Gwendal ça me fait plaisir de te retrouver là ça va être un terme ça va être un, un, un live complètement ouf en termes de maths et en termes d'analyse de, de jeu mais j'ai jamais été aussi profondément dans l'analyse statistique d'un de mes jeux donc ça va être vraiment super top euh, donc j'ai vraiment à plus Antoine mange bien bon appétit et puis retrouve nous après parce qu'après ça va ça va discuter Wittgenstein ça t'aidera à digérer et euh, donc euh, voilà donc en tout cas euh, N'hésitez pas à venir le 25 juin sur cette chaîne, sur ce live. On sera donc avec Guillaume Rioux sans doute et son frère sans doute pour travailler sur le village et travailler les statistiques derrière le village. Salut Damask, ça va la pêche Alors je ne sais pas pourquoi, ce soir, j'ai le trac. Allez, savoir pourquoi ce soir j'ai le trac, c'est la première fois, j'ai l'habitude dans un live, je suis très détendu, je ne sais pas pourquoi, ce soir j'ai les jetons, je... alors vous soyez pas surpris si je suis bizarre, si je ne parle pas comme d'habitude, je... Je, pour... je ne sais absolument pas pourquoi, mais ça y est, les lives commencent à me foutre les jetons, c'est peut-être parce que, je ne sais pas, je vois que ça a du succès, que vous êtes nombreux, nombreuses à suivre, euh... et voilà, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, alors, euh... tu veux qu'on te mette à l'aise, alors, Boudi, vu que c'est toi qui dis ça... Euh, je sais pas. Je sais pas, pas trop. <laughs> euh, donc, euh, merci en tout cas à vous d'être là. Ça me fait très très plaisir. Allez, on y go. On y va. Je vais, je, vais, je vais vous parler de la dernière actualité, mais je vais vous en parler un petit peu plus longuement. C'est l'actualité chaude de ce soir. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette news, mais il se trouve que Outsider, alias Thomas Munier, vient de sortir. Euh, son jeu de rôle, Marchebranche, enfin, vient de sortir. Attention, le jeu est actuellement en précommande chez Dystopia Edition. Mais en tout cas, voilà, Thomas Munier a donc choisi de faire éditer Marche marche-branche chez Dystopia Edition. Alors, Dystopia Edition, les éditions Dystopia, vous vous en souvenez, si vous suivez la cellule, vous savez qu'on a, qu a effectué, qu'on a enregistré un podcast avec Eugénie. Euh, pour parler donc de ces, de ces éditions, je vous mets le lien vers le podcast hop, dans euh, le chat afin que vous puissiez aller euh, le réécouter si cette, euh, si cette entreprise d'édition euh, de, de jeux de rôle alternatifs euh, vous intéresse. Euh, on a vraiment posé toutes les questions possibles et imaginables euh, à Eugénie, elle nous a également parlé de ses intentions, de ses chiffres euh, etc c'était très, très, une émission vraiment très intéressante je vous invite vraiment à aller la réécouter je ferme des, des onglets au passage donc voilà, l'émission sur Dystopia édition éditeur de jeux alternatifs et donc euh, parmi ces jeux qui étaient euh, qu'on qu qu subodorait euh, à l'édition euh, qu'on qu attendait il y avait effectivement donc un jeu de Thomas Munier. On savait qu'il y avait un jeu de Thomas Munier qui était, euh... enfin en tout cas moi j'en avais l'intuition. J'avais, eu l'occasion de troller Eugénie d'ailleurs. Euh... Non c'était Thomas que j'avais eu l'occasion de troller euh... au cours d'une de ses interviews avec un petit panneau euh... Dystopia Edition. Parce que Thomas avait annoncé qu'il allait sans doute éditer l'un de ses projets. Il bon, y avait assez, c'était assez il y avait assez peu de chances pour que ce soit quelqu'un d'autre que Eugénie qui euh, donc euh, s'occupe de l'édition de, de Marche Branche et donc du coup voilà le le comment dire la, la nouvelle est tombée ce soir donc Marche Branche sera bien édité chez Dystopia édition donc je vous laisse découvrir ici la magnifique couverture qui a été donc dessinée par Evelyne Moreau euh, qui est une euh, qui, qui est une illustratrice qui fait euh, qui, qui a pour euh, Marche-branche fait quelques dessins comme ça on a, on retrouve un autre de ses dessins dans l'interview qu'ils ont qu'ils ont donné ou qu'elles ont donné d'ailleurs parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes on pourrait dire qu'elles ont donné euh, qu'elles ont donné donc pour euh, le fixe en effet sur ce projet donc vous avez bien entendu l'auteur euh, qui est Thomas Munier mais vous avez aussi bien sûr l'éditrice qui est Eugénie vous avez euh, Laure, euh, euh, je, alors je sais pas comment se prononce son nom, je, Afchin j'imagine, Laure donc, qui a fait euh, tout le maquettage et enfin euh, donc les dessins les illustrations l'illustratrice du jeu Evelyne euh, Moreau et donc voilà vous avez comme ça quelques aperçus euh, des, des dessins de Marchebranche alors Marchebranche c'est un jeu de rôle de Thomas Munier dans lequel comme euh, exactement comme Vivien Féasson et moi-même Thomas Munier en fait a un espèce de Thomas Munier Extending Universe donc en fait tous ces jeux participent d'un même univers qui est cet univers que vous connaissez sous le nom de Milvaux donc c'est une vaste forêt euh, aux prises avec de nombreux euh, dangers, euh, des éléments euh, fantastiques euh, des grands anciens euh, euh, de Cthulhu euh, euh, il y a une problématique autour de la mémoire également dans Milvaux et Marchebranche justement, Marche Branche, c'est cette partie en fait de l'univers de Milvaux qui va traiter de cette problématique de la mémoire, dans Marche Branche on joue des marches branches qui sont des chamans qui vont en fait de village en village euh, rendre des services à des communautés indépendantes de, dans la forêt afin de récupérer des tarots de l'oubli ou des tarots de la mémoire je ne sais plus exactement le nom euh, mais en tout cas des cartes en fait qui vont leur permettre de récupérer d'avoir des visions non pas de l'avenir mais du passé et donc qui vont leur permettre de récupérer euh, des souvenirs il se trouve qu'à la cellule on avait eu l'occasion de playtester en fait, le jeu à son, à son tout, tout départ, au tout début en fait quand, quand le jeu n'était pas encore en, en projet d'édition. Donc je vous invite à aller écouter ce, ce playtest. D'après ce que j'ai vu, il y a quand même... D'après ce que j'ai lu, pardon, parce que j'ai rien vu de, de marche-branche à l'heure actuelle. mais par contre, d'après ce que j'ai pu lire ici ou là, euh, donc euh, en termes de, de contenu, j'ai l'impression que les règles ont été légèrement euh, modifiées, sans doute affinées. mais globalement, les mécaniques du jeu, les mécaniques principales du jeu sont conservées. alors, thomas munier, le résumait en. Euh, alors attendez, je, re, je, je vois une question. La version free, c'était pas le jeu complet, du coup c'est une version 2. Euh, oui, 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 t as, t as, effectivement. Là, ça va être vraiment une version affinée. Euh, euh, à, vraiment, je, je pense qu'il y aura de, de nettes améliorations, même en termes d'écriture, d'ambiance, euh, en termes évidemment de maquettage, parce que vous savez que euh, Thomas Munier est un nanar, euh, un anarchiste. Euh, pardon, parce que si je dis nanar, on va, ça, ça peut être mal pris. Un anarchiste complet en fait de la mise en page. Si vous avez déjà vu des jeux de Thomas Munier, vous savez que c'est vraiment euh, sculpté comme euh, comme comme la, la, la matière brute du bois. Vous pouvez avoir des livres avec des clous dedans. Euh, parfois, il y a des illustrations qui passent sur le texte et qu'on ne peut lire qu'en transparence. Enfin, là, il y a une, une vision. C'est un peu comme quelqu'un. Je sais pas si vous connaissez si Patronoban, qui est euh, donc un, un auteur aussi comme ça très punk, très anarch, dans lequel euh, la, la, la mise en page est très très anarchique. Là, d'après ce que je vois, euh, la mise en page et a l'air d'être plus soigné, mais garde cet aspect forestier sludgecore, vraiment de les photomontages de l'enfer, nous dit Damask dans le chat. Effectivement, il y a toujours des photomontages de l'enfer chez Thomas Munier. Je sais pas si c'est lui qui les fait ou s'il les récupère sur un site. Je sais qu'il avait un site à un moment donné d'images gratuites sur lesquelles il récupérait pas mal d'images à un art comme ça. Oui, mais je crois qu'il qu en fait lui-même aussi. Bref, donc toujours est-il que là, à Apparemment euh, l'univers a été euh, retravaillé. Alors, il nous le résumait comme ça dans le podcast, donc je vais je vais je, je, vous, le, je vous le résume à gros traits euh, euh, son, son univers. Il disait que, en gros, euh, ce qu'il fallait imaginer pour, 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 pour Marche Branche, c'est... Euh, d'abord que c'est un jeu qui s'inspire un petit peu en filigrane de l'OSR donc ça va être une façon de jouer assez old school il euh, y a un maître du jeu par exemple dans Marche Branche d'après ce que nous nous avions testé hein. peut-être que ça a été modifié, j'ai pas eu encore encore, encore l'occasion de lire le jeu complet mais il y avait un maître de jeu donc ça restait un jeu de rôle traditionnel le classique dans sa forme, dans sa forme seulement parce qu'il y a plein d'éléments euh, sur lesquels les joueurs ont une, un énorme impact en termes de narration donc, évidemment, ça a la forme d'un jeu de rôle traditionnel, mais il, il, a, il a des éléments quand même de narration partagée très importants. Donc, d'abord, un hommage à, à l'OSR on est sur les, dans une forêt qui a poussé sur les ruines d'un empire, une forêt qui est envahie par une maladie. C'était le deuxième élément qu'il disait une, une maladie qui fait oublier les souvenirs des gens. Donc, la, pro, la, la mémoire est une problématique très importante pour les habitants en 2000 vaut euh, alors il y a boody life qui nous dit il fait pipi dans, dans ses bouquins pour faire plus réaliste en mode forêt alors non mais euh, non parce que quand même Thomas est un, un gentleman faut, faut pas je sais, il, il, je sais pas s'il serait capable de faire ça et tu, tu vois limite tu me pose la question et, et tu sais qu'une fois il m'a donné un bouquin euh, il me l'a vendu euh, et donc je lui ai demandé une dédicace Et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a pris des clous C'est véridique hein. Il a pris des clous et avec un marteau Il les a plantés dans le livre euh, Donc euh, voilà Ça c'est un exemple Quand j'ai acheté euh, donc euh, la version collector De Milvo Parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné Avec ses petites mains boudinées Et euh, eh bien Thomas Munier Faisait des versions collector de Milvo Qu'il faisait lui-même Qu'il cousait en fait euh, lui-même, donc il, cou il cousait la couverture lui-même. À l'intérieur, quand j'ai reçu le livre, il y avait des glands, des feuilles, euh, il y avait euh, vraiment comme s'il l'avait, euh, il avait tenu dans la forêt, il avait mis tout ce qu'il avait trouvé, il avait mis ça, il l'avait emballé. Donc, non, il fait pas pipi, mais euh, il est possible, ouais, ouais, les clous. Les clous, Gwendal, je te jure. C'est une façon, si tu veux, pour lui de rappeler que finalement, ben, un livre, c'est que du bois. Et il y a quelque chose de très choquant, quoi. Tu vois, un livre clouté, euh, il y a quelque chose, ben, ça rappelle euh, les, les, la crucifixion, tu vois. Euh, ça rappelle. C'est ce livre sacrifié, ça, donne, ça rend au livre, en fait, une certaine forme de vie. Ça fait du livre euh, un végétal, presque, un élément du bois. Euh, et donc, du coup, ça le rend vivant, sacré, étrange. Euh, tu tu vois, euh, euh, là toi, je sais Gwendal qui adore les vidéos d'Al 236 et tout ça. L'univers de Milvaux, c'est un univers à la Halle 236 en fait. Et donc euh, oui, il y a un côté un peu religieux, effectivement. Tu as raison Gwendal. Salut Rick Pogan, ça fait très plaisir de te retrouver dans ce live. Tu es un fidèle, hein? Merci beaucoup. Euh, donc oui, il y a un côté religieux, effectivement. On pourrait presque... Tu vois, euh, on avait presque... Là... S'il avait pu, je pense qu'il aurait fait saigner son livre tu vois dans l'idée il aurait planté les clous et si ça s'il avait pu il aurait fait rouiller son if tu vois tellement euh... donc il y a quelque chose comme ça chez Thomas Munier de très euh, très sauvage très euh... il aime beaucoup l'art euh, ce qu'il appelle l'art outsider euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est que Clara Outsider mais en gros c'est euh, euh, tous ces gens qui décident du jour au lendemain de se lancer dans une entreprise artistique euh, euh, sauvage en dehors des, totalement en dehors des clous des musées, de l'histoire de l'art la, tu vois euh, 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 qu'est-ce qu'on a comme exemple, par exemple pas très loin de Saint-Malo on a les rochers sculptés où il y a l'abbé Fourré euh, qui du jour au lendemain s'est dit bah tiens je vais sculpter les rochers qui se trouvent sur la plage et qui a conçu comme ça tout un ensemble énorme euh, de, de rochers euh, qui sont sont sculptés avec des villages, des, vi des villages, des visages, etc. Et ça donne de l'art comme ça, fait sur la pierre. Euh, c'est très, très étonnant. Euh, je, ce je, ne, je ne sais pas ce que c'est une bombeur, Je ne sais pas. Bonjour Alex. Euh, salut, ça me fait très plaisir de vous retrouver tous et dire, vous êtes nombreux, c'est ça, ça fait super, ça me fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur. C'est aussi pour ça ce soir que j'ai un peu le trac, je crois, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, ça commence à me faire peur. Alors donc, mais tant mieux, tant mieux. Ne partez pas, non, ne partez pas. <laughs> mais, mais voilà, euh, donc c'est très bien. Donc voilà, podcast numéro 14, on avait consacré ce podcast à Marche Branche avec Thomas Munier, on était également avec euh, Johan et Patrick Froguiters. Donc euh, je vous invite à, à réécouter ce podcast si vous en savoir plus sur le playtest de marche branche en sachant bien entendu que le vrai entre guillemets le vrai marche branche dont, on, dont il s'agit ici et eh bien c'est euh, le euh, MarcheBranche édité par dystopia est disponible en précommande sur le dystocite euh, je vais vous partager ici tac le lien vers dystopia.fr et donc sur la première page vous trouverez tout simplement les différents liens un lien également vers une interview donc du fixe que je vous ai montré tout à l'heure dans laquelle vous entendrez toutes euh, les personnes qui ont participé à Marchebranche, donc c'est intéressant aussi de voir euh, les sources d'inspiration de l'illustratrice, comment elle s'est euh, inspirée de ses balades en forêt de quand elle était petite pour euh, euh, rendre compte en fait de, de, la, de la forêt de Milvaux. Il euh, y a aussi quelques, comme ça, quelques aperçus de, 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 de la mise en page du livre qui a l'air vraiment très jolie. Il euh, y a plein de choses à voir sur les interviews. Je ne vous en parle pas davantage. Euh, il faut savoir que dans la forêt de Milvaux, parce que je me suis interrompu, mais il y a également une dimension fantastique. Comme je vous l'ai dit, la mémoire est un enjeu énorme. Il faut aussi savoir que les émotions sont un enjeu énorme dans la forêt de Milvaux, parce qu'il y a dans la forêt de Milvaux, et donc... Euh, dans l'univers de Marche-branche également, un phénomène qu'on appelle l'égrégore, qui est donc un phénomène euh, de manifestation physique ou réelle de l'inconscient collectif. Donc, par exemple, si vous êtes dans un lieu euh, où les gens euh, sont, euh, euh, par exemple, tristes, c'est l'exemple qu'on cite dans le podcast, tristes d'avoir perdu le chef de leur village, et eh bien, vous pouvez avoir euh, une, de la brume qui apparaît à cause de la tristesse de ces gens, et pourquoi pas une apparition, un fantôme, un spectre du chef. Du du village qui va hanter les lieux. Et justement dans la dans l'univers de Milvaux, on trouve euh, ce qu'on appelle des orlas qui sont des créatures euh, plus ou moins euh, horrifiques, plus ou moins euh, euh, terrifiantes qui sont des manifestations physiques des spectres en fait qui se manifestent depuis les des lieux donc des manifestations d'inconscient collectif qui prennent vie et qui peuvent potentiellement nous causer euh, des torts et qu'il faut exorciser. Alors attention, ce que je vous dis là c'est pour l'univers de Milvaux. C'est pour l'univers de Milvaux. Donc c'est l'univers général, c'est le Thomas Munier Extended d'univers, c'est l'univers général dans lequel a lieu Marche Branche. Mais dans Marche Branche, on aborde plutôt la partie lumineuse de Milvaux. On est plutôt dans un, dans un univers plus proche de, de Princesse Mononoke que dans l'univers horrifique Lovecraftien dans lequel les orlats ont des tentacules et font du sludgecore dans la forêt. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus. Euh, feel good. Non, je dirais clair-obscur. C'est comme ça d'ailleurs que Thomas Munier le définit, quelque chose de plus clair-obscur et d'ailleurs c'est pour ça j'imagine que il a demandé à l'illustratrice illustra... parce que je ne sais pas si Thomas Munier a spécialement commandé ses dessins aussi il a euh, comment dire euh, laisser l'illustratrice imaginer cet univers par elle-même. Mais en tout cas voilà, j'imagine que c'est aussi pour ça que les illustrations sont en noir et blanc hein. pas de niveau de gris, on voit que c'est du noir et du blanc parce que le jeu se définit lui-même comme un jeu en clair-obscur. Et je dirais que de tous les jeux de Thomas Munier, enfin moi, à titre personnel, j'ai trouvé que c'était un des jeux les plus positifs, les plus feel-good, les plus intéressants euh, sur le plan de la quête personnelle des, des personnages le moins, on va dire, le moins euh, le moins euh, euh, larmoyant. Même si évidemment, avec le retour des souvenirs, vous imaginez bien qu'il va y avoir aussi... Eh bien, de l'émotion, euh, il va y avoir des révélations, des secrets que les gens vont découvrir euh, sur euh, sur leur passé, et donc forcément, ça va être ça va être ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau, ça va, ça va être euh, drama etc etc. Donc voilà, je vous laisse précommander le jeu de Thomas Munier, je vous invite vraiment à le faire. Euh, J'ai vu que Thomas Munier, euh, donc dans l'interview qu'il a donnée au Fix, donnait comme justification, c'est vrai que Thomas Munier, comme Frédéric Sintès, comme Christophe Buckley, comme Fabien Ilvine, comme euh, euh, moi-même, et euh, j'oublie Vivien Féasson bien entendu, a souvent euh, été, et, et Morgane Régnier, et finalement tous les euh, membres des anciens des feux... Euh, Ateliers euh, imaginaires et puis ensuite euh, des courants alternatifs, tous ces gens ont été quand même des grands défenseurs de l'indépendance. Et donc, euh, on pourrait être surpris de voir euh, Thomas Munier euh, euh, être édité euh, dans, dans, par une maison d'édition. Et comme l'explique très bien Thomas Munier dans euh, son interview pour Le Fix, et eh bien en fait, il est exactement comme moi. Il est rendu aussi à un, à un moment de sa carrière et, et de sa vie euh, intellectuelle où il a fait tellement de jeux que. Euh, y, il ne peut plus maintenant s'occuper de chacun de ces jeux euh, vraiment euh, comme il le voudrait. Et plutôt que de les, ab de les abandonner euh, à l'Internet à qui oublie tout, eh bien ma foi, je pense que Thomas Munier préfère euh, euh, tout simplement les voir euh, éditer, les voir euh, placer entre les mains d'un éditeur qui, qui comme euh, Eugénie en plus, est une vraiment euh, quelqu'un qui suit le mouvement de l'indépendance depuis ses débuts, qui a beaucoup euh, qui, qui a beaucoup interagi avec nous, qui connaît très très bien les problématiques de l'indépendance. Eh bien, euh, il vaut mieux laisser effectivement Marche Branche à un éditeur comme Dystopia, dirigé avec une directrice avec une directrice éditoriale comme Eugénie, qui sait très bien comment faire de l'alternatif, de l'indépendant, etc. Et donc euh, sa démarche aussi est justifiée par euh, une, une idée de laisser en fait un jeu euh, comme ça euh, euh, à un éditeur et, et une éditrice en l'occurrence et c'est très 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 bien je rappelle que dystopia n'est pas une édition à proprement parler de jeu de rôle hein, qu'il y a une partie jeu de rôle dont eugénie est la directrice éditoriale chez dystopia mais qu'il existe aussi euh, une euh, que, dystopia est une maison d'édition euh, indépendante euh, par ailleurs enfin une maison d'édition qui édite euh, d'autres types de livres mais je vous invite à écouter le podcast pour écouter eugénie en parler elle en parle bien mieux que moi euh, voilà euh, bonjour au chat salut ça me fait très plaisir de te retrouver ici Ah oui <laughs> ça me fait très plaisir Très très plaisir de, de te voir passer sur ce, sur ce chat Parce que tu, tu stream aussi le mardi si, si, Je comprends bien <laughs> Donc, euh, donc voilà. Alors je remonte un petit peu le fil des, des questions. Mais alors, est-ce que tu as pu échanger avec Thomas à son point de vue concernant l'édition de Marchebranche, son opposition avec son choix d'utiliser Lulu C'est pour toucher plus de monde, avoir un livre mieux imprimé, etc. Je crois... Alors, euh, non, je n'ai pas eu euh, Thomas j'ai Je n'ai pas pu avoir. La news vient de tomber, euh, Damasque, Il faut savoir que là, euh, la, la nouvelle de l'édition de Marchebranche est tombée il y a. Euh, genre, j'ai vu le tweet de Vivien Féasson il y, a, il y a deux heures. Donc euh, je n'ai pas eu le temps. J'ai essayé d'appeler Eugénie. Euh, je ne l'ai pas eu au téléphone. J'ai reçu un mail de Thomas Muni. Je n'ai pas eu le temps de lui en renvoyer. Un. Donc euh, vraiment, euh, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. On aura peut-être l'occasion d'interviewer Thomas, tout simplement, hein, la cellule, pour en savoir plus. Pour l'instant, la cellule t'en pose. Hein, vous le savez, j'aimerais la réveiller en 2025 à peu près, parce que là, vraiment, euh, euh, je suis sous l'eau. Mais voilà. En tout cas, euh, je, 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 je... Je, je pense qu'on saura euh, exactement dans quelles conditions Thomas a dit ce jeu, mais encore une fois, ça, ça, ça fait longtemps que Thomas et Eugénie... Enfin, faut savoir un truc aussi, c'est que quand même, s'il faut le dire, Eugénie, c'est l'une des plus grandes fans de Thomas Munier. Je veux dire, s'il y a bien euh, quelqu'un qui s'est fait promotrice de de, de In florenza minima et de Inflorenza, florenza c'est bien eugénie et les les, les gens euh, qu'on qu qu a qu'on a parfois appelé le, 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 les, les membres du, du de l'école du jeu de rôle en performance euh, donc euh, eugénie connaît très bien thomas munier elle connaît très bien l'univers de milvaux elle a joué à tous les jeux milvaux quasiment et donc euh, à ma connaissance donc euh, je, donc euh, vraiment s'il y a bien une éditrice c'est s'il y a bien une éditrice qui est capable de prendre en compte les de Thomas et de les mettre vraiment bien en scène, c'est bien elle. Par ailleurs, je sais que Thomas s'était consacré entièrement au jeu de rôle pendant une partie de sa vie et que maintenant, en fait, faute de, de moyens, il a dû reprendre un travail salarié. Me, me semble, aux dernières nouvelles en tout cas qu'il m'avait donné, c'était ça qu'il m'avait dit. Et donc je pense qu'il n'a tout simplement plus le temps de faire le travail éditorial nécessaire et donc il est bien heureux de pouvoir laisser en fait une éditrice euh, comme Eugénie s'occuper, on a vu hein, le travail qu'elle a fait sur, avec comme Martin euh, avec euh, la clé euh, des nuages de, de KF AK euh, euh, Mallory euh, on, on, on a bien vu quand même que c'était une éditrice qui prenait soin de respecter les désiderata des auteurs et d'ailleurs elle-même a du mal à assumer le fait d'être une éditrice quand elle parle, vous écouterez le podcast, mais quand elle parle des jeux qu'elle édite, elle dit des jeux indépendants j'édite des jeux indépendants euh, à chaque fois dans le podcast j'essaye de la reprendre en disant non tu édites des jeux indépendants alternatif euh, à partir du moment où tu les édites ils ne sont plus indépendants mais elle dit non, non non ça reste des jeux indépendants donc on voit quand même une attache en fait à cette à cette, à cette, à cette dimension là et donc évidemment euh, quitte à travailler avec un éditeur autant travailler avec une éditrice comme Eugénie encore une fois qui, qui travaille donc je pense que son choix euh, d'être édité au lieu de Lulu et eh bien il se justifie par là par ailleurs euh, je rappelle que encore une fois donc pendant que Thomas euh, faisait euh, donc euh, sa pause, euh, il avait pris en fait une disponibilité à son travail, si vous voulez pour faire simple, et donc il a fait une pause de quelques années de son boulot pour pouvoir éditer vraiment des jeux de rôle. Et donc il avait proposé un contrat avec ses avec ses lecteurs, ses lectrices, il avait dit bah voilà, moi je vous publie des jeux gratuitement et en échange vous me soutenez sur Tipeee. Bah, ce contrat n'a pas fonctionné, exactement comme moi, j'en parlais euh, dans les derniers tweets, je vous ai parlé de cette euh, opération euh, un PDF contre un soutien sur euh, sur comment dire sur, Patreon, sur Tipeee sur et je vous ai dit ça ne marche pas et, euh, et je vous ai, vous avez parlé d'ailleurs je crois que vous avez parlé de thomas munier je vous avais dit ils, ils ont voté thomas munier nous avait dit bah voilà quelque part en achet, en, en, en disant bah, PDF gratuit contre don en achetant pas ça les Rollistes ont quelque part voté pour un modèle en fait et donc ce modèle bah, c'est celui de rematérialiser les jeux de refaire des jeux physiques etc et donc je pense que thomas munier s'inscrit totalement et s'il était là je pense qu'il serait d'accord il s'inscrit totalement en fait dans la démarche que je vous décrivais précédemment précédemment sur pourquoi moi même je vais rééditer des jeux matériels. C'est que en fait, à un moment donné, le PDF contre dons, ça ne fonctionne pas. Par ailleurs, Lulu... Ah, Lulu, ben, à moins d'avoir une communication euh, tonitruante, etc., euh, et, et vraiment de communiquer activement pour que les gens aillent sur Lulu acheter les jeux, moi j'ai pas l'impression que Lulu ça marche beaucoup mieux. Donc, euh, donc euh, voilà, je, je, alors, je sais pas, je, je veux pas parler à la place de Thomas, mais je pense que c'est aussi une des raisons qui font qu'aujourd'hui il repasse à l'édition. Alors je rattrape le chat hein, ra rapidement. Ta -ta -ta. Donc le chat nous dit qu'il enregistre une campagne euh, le, le mardi en général et que c'est pour ça. Euh, qu'il euh, qu ne peut pas être euh, sur le chat euh, sur euh, sur dans, dans mon live euh, plus souvent euh, et que là euh, ce soir il a une chose malade malheureusement mais merci beaucoup au chat ça me fait très très plaisir Aaron Blackwell bonsoir il y a bois dormant aussi chez la même maison d'édition chez dystopia effectivement bois dormant donc de Melville la nuit. Tout à fait. J'avais oublié Bois dormant, évidemment. Mais de toute façon, vous pouvez aller sur le site des éditions Dystopia pour trouver tout ça. Euh, par ailleurs, donc je vous rappelle que le jeu de Thomas est en prévente sur le dysto là. Donc vous cliquez ici. Paf, je ne l'ai pas encore fait, pas, je l'ai pas encore fait, j'avoue. Hein, mais c'est à faire. Et donc vous cliquez là, hop, précommander, ego et, et donc vous avez besoin d'un compte. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait, c'est parce que je sais plus quel est mon compte sur Dystopia. Je ne sais même pas si j'en ai un. Je pense que j'en ai un parce que j'avais dû acheter des jeux là-bas. Mais je suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr. Je Sais plus donc, euh, mais en tout cas, il faut que je retrouve. Bon, Qu'est-ce que je vous raconte Vous en foutez complètement, mais voilà. En tout cas, il faut aller cliquer là. Et puis, il faut acheter, il faut précommander tout ça pour encourager Thomas. Je trouve que c'est une et surtout en... enfin, encourager Thomas. C'est une très bonne euh, initiative, à mon avis, que de rematérialiser les jeux et remettre ce... comme ça certains de ces jeux sur le devant de la scène. Ça lui fera très plaisir. Et puis, euh, d'encourager également Dystopia à toujours comme ça aider des anciens euh, ou des auteurs indépendants euh, à des anciens auteurs indépendants, donc qui ont arrêté ou des auteurs indépendants. Qui euh, voudraient éditer certains de leurs jeux parce qu'ils ne peuvent plus en assumer tout simplement la communication. Euh, voilà, euh, et bien c'est toujours bien d'encourager comme ça des éditeurs à reprendre ces objets et à les remettre sur le devant de la scène, un peu comme la boîte à eux autrefois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la boîte à eux de Ludovic Papaïs qui faisait ça également. Dystopia Edition, c'est un peu la nouvelle boîte à eux. Et contrairement à la boîte à eux, j'aimerais que Dystopia Edition marche du feu de Dieu. Alors vous allez me précommander tout ça immédiatement. D'accord des bisous cordialement. Voilà. Marche branche de Thomas Munier. Donc je crois que je vous ai tout dit. Hein. Je crois que je vous ai tout dit. Vous pouvez évidemment retrouver... Oui c'est vrai, je n'ai même pas proposé le lien. Je vous... je vous partage le lien évidemment vers Outsider, le blog de Thomas Munier sur lequel il partage toutes ses créations. Alors, euh, Aaron Blackwell nous dit, sinon pour parler du sujet, je pense que de plus en plus de joueurs veulent effectivement un support papier, le PDF c'est pas toujours pratique autour d'une table, et puis un bouquin de JDR c'est une œuvre à part entière, en plus d'être un jeu, je suis parfaitement d'accord, et, et de toute façon... On a bien vu, hein, nous, nous autres euh, auteurs indépendants, on a tous fait ce test du PDF contre Tipeee ou contre Patreon. Et on a bien vu tous et toutes hein, que ça ne fonctionnait pas du tout. Et que en fait les gens restent encore attachés à du matériel. Je crois que se joue aussi là un petit peu de ce qui se joue un peu dans le monde du jeu vidéo aussi sur le dématérialisé, sur les jeux dématérialisés et jeux matérialisés. Les gens aiment euh, acheter des jeux en se disant peut-être que plus tard ils pourront les revendre, qu'ils pourront les donner, qu'ils pourront les partager à leurs enfants, avec leurs enfants, à d'autres personnes, les laisser dans un... Dans un coin d'une bibliothèque soit dans la rue soit sur un banc ils aiment bien en fait avoir un livre en fait à montrer pour pour incarner quelque part la fiction qu'ils vont qu'ils vont aborder et, et que le, le, le pdf ne, ne joue pas du tout ne joue pas du tout ce, ce, ce rôle là et donc effectivement cela pousse certains auteurs indépendants à rematérialiser leurs jeux ou à les faire éditer euh, à long terme comme je vous l'avais dit hein, dans, le, dans le stream précédent comment voulez vous en fait en tant qu'auteur indépendant regardez moi j'ai sorti j'ai sorti Vademecom, j'ai sorti Leval, j'ai sorti Lolirock, j'ai sorti Ex j'ai sorti... j'en oublie. Euh, et, et en fait, à un moment donné, on peut plus assurer... Trip to Sky, bien entendu. On peut plus assurer, en fait, euh, toute la communication, tour jeu. Je vais dans une convention, par exemple. Est-ce que quel jeu en fait je présente Bah je peux pas tous les présenter, je vais devoir faire des choix. Donc du coup dans chaque convention je dois choisir quel jeu de rôle je présente. Bon bah résultat, je peux pas tous les présenter. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a certains de mes jeux qui sont complètement oubliés. En me trouve Triple je j'ai jamais réussi à faire la communication sur le jeu. Et voilà, donc du coup, bah on a pour partie oublié. Donc je comprends aussi des auteurs indépendants qui décident de passer par des maisons d'édition à un moment donné pour des projets qu'ils ont portés de façon indépendante, ils les ont portés. Ça a été des projets indépendants, ça a été des jeux indépendants pendant des années. Seulement, voilà, Thomas, il a plus le temps. Bon, ben, voilà, il laisse à un éditeur le soin de le faire. Et en plus, si ça corrobore cette hypothèse dont, dont, dont tu parlais tout de suite à Aaron, à savoir le fait que euh, donc, euh, le, 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 comment dire, les gens ont besoin, en fait, d'une matérialité, de matériel pour s'approprier les jeux, et bien, ma foi, euh, grand bien lui fasse. Et moi, je trouve que c'est une très très bonne démarche. Encore une fois, un auteur indépendant n'est pas essentiellement un auteur indépendant. Un un auteur indépendant, c'est d'abord un auteur qui produit des jeux de rôle de façon indépendante. D'abord des jeux de rôle indépendants. Puis ensuite, une fois que le jeu de rôle indépendant a eu sa vie en tant que jeu de rôle indépendant pendant 10 12 ans euh, comme c'est le cas de Milvaux hein. Milvau ça doit faire au moins 12 ans peut-être 15 ans qu'il travaille ce cet univers parce que moi je crois qu'au début de la cellule Thomas Munier il était déjà dans les conventions eclipse que je fréquentais ça doit, donc ça doit faire 15 ans en fait qu'il travaille sur Milvaux donc ça fait 15 ans que Milvaux est un jeu indépendant donc à un moment donné il a quand même le droit à mon avis c'est pas faire une entorse à l'éthique de l'indépendance que d'éditer une partie d'un de ces jeux je pense que vraiment les gens le comprendront et que les les, les au contraire même c'est lecteurs seront attentifs à, à sa démarche, enfin ce qu'on dire bienveillant, bienveillante envers sa démarche. Euh, bonjour Sandman, ça me fait plaisir de te trouver ici. Euh, Thomas Munier et toi, vous restez, je pense, comme des précurseurs dans le domaine ludique et du JDR en particulier. C'est très gentil, merci beaucoup, euh, ça, ça demande de, de dire cela, mais malheureusement, <laughs> on n'est pas tant précurseurs que ça, parce qu'en vérité, on s'inspire d'un courant indépendant américain qui est le courant de The Forge, qui est un forum américain. On est en fait des euh, petits français qui suivons la démarche américaine de gens comme Ron Edwards, Vincent Baker, Paul Cheguet et compagnie, et compagnie. Et donc, on s'inscrit dans une, dans une tradition en fait qui est qui remonte à plus que nous. Après peut-être qu'en francophonie, euh, effectivement, euh, on est un petit peu les, les porteurs de ces démarches, effectivement, et qu'on s'est un petit peu montré. Euh, mais... Il faut rendre à César ce qui appartient à César, en l'occurrence. Il faut rendre à Ron Edwards ce qui appartient à Ron Edwards. On est juste des, des héritiers de, 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 de Ron Edwards. Voilà. Euh, et de et Christophe Buckley. En fait, le, le premier précurseur francophone, si il fallait citer son nom, c'est évidemment le premier précurseur francophone, c'est bien sûr Christophe Buckley, qui en ouvrant le forum Silent Drift a ouvert un forum similaire à celui de The Forge. Et donc Christophe a été rejoint plus tard par moi-même, Frédéric, Fabien. Et et euh, plein d'autres euh, qui, 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 que, que, que j'oublie, mais je, je ne cite que cela parce que ce sont ceux qui, est, qui ont participé à la, à la cellule que vous devez sans doute connaître si vous êtes sur ce Twitch. Mais il y a eu plein d'autres personnes sur, sur, à participer à cette drift dont euh, d'ailleurs Vivien Féasson, Thomas Munier et compagnie. Bref, donc voilà. Merci, merci pour le, pour, le, pour le bon mot. Mais voilà, <laughs> là, on n'est pas les premiers et j'espère on n'est pas les derniers. Et on se bat aussi pour ça. Euh, donc, merci beaucoup. Euh, et ben voilà, je, je pense que je vous, ai, je vous ai bien vendu Marche Branche. Hein, si vous n'avez pas déjà précommandé, c'est que, que j'ai raté mon travail. Euh, mais mais voilà. Donc voilà. Et je ne suis pas payé par Dystopia Edition. Hein, je fais ça en toute indépendance. <laughs> mais je pense que c'est une bonne chose que Dystopia Edition fonctionne. Encore une fois, je le compare à la boîte à eux de Lutovic Papaïs la regrettée boîte à eux qui éditait tous ces bons jeux américains. Et donc Dystopia c'est un petit peu l'équivalent pour des jeux francophones et ça ça fait plaisir. Voilà voilà. Allez on va enchaîner on va enchaîner avec le la lecture du Tractatus, lecture que vous attendez tous et toutes, n'est-ce pas? Eh ben bien c'est bien, c'est cool, super. Très heureux si ce stream a pu permettre. <laughs> Dystopia de vente des jeux. C'est très très bien, c'est très très bien, je suis très content. Euh, allez, on va prendre le tractatus là. C'est parti. On va nous aussi on va s'accrocher aux branches, on va marcher sur les branches du, du traité logique et philosophique de notre ami Ludwig Wittgenstein. Alors euh... Alors vous avez vu, je vous ai fait un scanner de mon j'ai scanné mon tractatus. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez... <laughs> voilà, l'état du, du bousin hein. au secours. Donc voilà, je me suis, en fait, je me suis servi de ces images pour faire le petit générique. Euh... Enfin, c'est pas un générique, mais le petit... Euh, vous savez, la petite vidéo pour attendre. Voilà. Euh... Donc la dernière fois, on avait vu avec vous euh, l'avant-propos du traité. Et donc, euh, on avait... Euh... Prédiction CB d'aphorismes traités aujourd'hui. Ah, je sais pas combien d'aphorismes on va traiter aujourd'hui. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. 3, 4 peut-être J'en sais rien. sais pas. On pourrait y passer la vie entière dans ce livre. 2. Non, peut-être plus quand même. On va essayer de faire mieux quand même. Allez, les gars. Euh, donc voilà. Donc la dernière fois, on avait vu ensemble on avait travaillé ensemble sur l'avant-propos du traité, et on avait vu qu'en fait, euh, Ludwig Wittgenstein est un philosophe très particulier, qui cherchait ni plus ni moins à résoudre tous les problèmes de la philosophie, en étudiant tout simplement ce que le langage euh, nous permettait en termes de philosophie, c'est-à-dire quel type de proposition le langage nous permet-il d'énoncer, et nous permet-il oui ou non d'énoncer des propositions philosophiques sensées Et on avait vu que donc le travail de Wittgenstein, ce serait justement de tracer la limite entre le sens et le non-sens, et que malheureusement, la philosophie allait se trouver du mauvais côté Que le langage n'allait pas être fait pour la philosophie, et que ce serait un des éléments... De réponse à toutes ces questions philosophiques. Néanmoins, on verra que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça de dire que le langage n'est pas fait pour la philo. C'est pas tout à fait vrai. Euh, c'est pas tout à fait vrai. Et ça, ça va être beaucoup plus subtil que ça. On, on, on verra ça euh, ensemble, parce que évidemment, la poésie. Euh, euh, le langage littéraire certaines fictions peuvent nous amener à faire de la philosophie et donc on verra que même si certaines propositions du langage sont insensées elles néanmoins même si elles ne disent rien elles permettent de montrer certaines choses la distinction entre dire et montrer est très importante chez Ludwig Wittgenstein on aura l'occasion d'y revenir elles permettent de montrer certaines choses et donc de faire de pratiquer de la philosophie même si le langage n'est pas vraiment fait pour ça donc on avait vu ensemble le premier aphorisme, le monde est tout ce qui a lieu, le monde est la totalité des faits, non des choses, on s'était arrêté sur celui-là. Et je vous avais dit, je vous avais promis, mon émerveilles, je vous avais dit que cette phrase, cette, ce petit aphorisme 1.1 est absolument révolutionnaire. Et je vous avais dit, bah, je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord on voit que ici, la définition que Wittgenstein va donner du monde... C'est un monde comme totalité de faits. Et ça, déjà, c'est assez marginal, parce que la plupart des philosophes modernes et même antiques, en réalité, sont ce qu'on appelle essentialistes. Essentialistes, ça veut dire que globalement, ils pensent que le monde. Est une collection d'objets. Le monde est une somme d'objets. Le monde est une table plus une chaise plus une bière plus un romarique, plus une bibliothèque plus une carte de trip to sky plus un dessin magnifique fait par damask etc etc. Et donc tout ça s'ajoute pour former un monde. Ça pourrait être une première définition du monde. C'est on dresse un catalogue de tous les objets qu'il compose et en voilà une définition essentialiste. Le monde donc se compose euh, d'objets. Là on voit qu'ici c'est pas le pari que fait Wittgenstein. Wittgenstein dit non non le monde ne se compose pas de choses, il se compose de faits. Ça va aussi contre l'idée atomiste de quelqu'un comme Démocrite par exemple qui disait le monde est composé d'atomes. Ça va aussi contre une certaine vision, on va dire naïve de la physique moléculaire ou atomique. On pourrait croire que justement la physique nous décrit un monde comme rempli d'atomes. D'ailleurs l'auteur des Chevaliers du Zodiaque, Masami Kurobada, est un essentialiste puisque dans les premiers épisodes il dit voilà ton corps l'univers est constitué d'atomes et donc ça déjà euh, ça déjà c'est c'est déjà une, une l'idée que euh, on a un monde composé d'atomes et donc composé d'objets, composé de choses essentielles. Mais non, n'y va pas, Gwendal, c'est le moment où ça va devenir intéressant, là. Il ne faut pas partir. C'est justement le moment où il faut rester, là. Là, Tu vas voir, ça, on, va, on, va, ça, on va rentrer dans le dur, là. Donc, le monde n'est pas euh, là, là, des, des gens comme, comme, euh, donc, là, ici. Wittgenstein se place en contradiction avec des gens comme Démocrite, avec les atomistes. Il se place en contradiction avec des gens comme René Descartes aussi, qui voyait dans le monde une totalité de substances. Et parmi ces substances, souvenez-vous la fameuse substance pensante. Euh, je commence demain à 5h15, euh, donc j'ai pas, pas envie de partir. Ah oui, d'accord, ok. Excuse-moi, Gwendal. <laughs> d'accord, très bien. Bon, vous êtes excusé. Vous êtes excusé, monseigneur. Vous pouvez effectivement, si tu te commences demain à 5h15, j'avoue que, que bon, bon courage Gwendal du coup euh, pour, pour, pour tout ça. Je ne oui, vais pas rester du coup, <laughs> ce serait mal, ce serait mal. Voilà, donc bonne, bonne, so bonne fin de soirée Gwendal, merci beaucoup d'être passé sur ce, sur ce stream. Donc voilà, ici on voit un Wittgenstein qui se place... Euh, qui se place en contradiction avec une vision naïve, finalement, du monde. Alors, naïve, pas si naïve que ça. On a vu quand même euh, Démocrite, Descartes, euh, la physique euh, newtonienne, euh, tous les gens qui pensent que euh, le monde est composé d'atomes. Ça commence à faire quand même beaucoup de gens. Eh bien, euh, Wittgenstein se pose euh, ici en opposition avec cette vision des choses. Et il dit non. Le monde n'est pas composé de choses. Le monde est composé de fait et ça change tout ça change tout en réalité ça change tout et on va voir pourquoi alors donc euh, on va laisser ici donc euh, on, on va on va on va laisser ici le, le côté euh, totalité de faits et non des choses et puis on va étudier ces, ces les, les autres les autres aphorismes on va voir qu'ils vont nous écarter un petit peu de cette notion de, de choses cette notion de fait mais on y reviendra on aura toute une partie après sur le, sur le fait et les choses mais en tout cas je voulais juste vous poser ici que ici déjà le 1.1 c'est révolutionnaire c'est une révolution aujourd'hui on en a un petit peu plus l'habitude parce que la physique quantique et les nouvelles physiques nous ont habitués à voir le monde non plus comme un ensemble de choses mais comme un ensemble de relations mais je vous rappelle que nous, nous sommes euh, au début des années 20, nous sommes en 1914, et qu'à ce moment-là, euh, l'atomisme a le vent en poupe. Hein. On n'est pas du tout dans le monde d'aujourd'hui où on sait que le monde est composé euh, de relations euh, grâce à la physique quantique et tout ça. On euh, n'en on, on est pas encore là. Donc ici, le 1.1, c'est une petite révolution. On sous-estime euh, l'aspect révolutionnaire de cette première proposition. Je prends vos questions. Euh, des Chevaliers du Zodiac à Démocrite, easy. <laughs> oui, c'est sûr. Euh, la vision de Wittgenstein des faits comme fondamentaux, définissant les objets par leurs interactions, n'est-il pas un système dual, donc quasi équivalent à une vision prenant les objets comme primaires et les faits dans leur interaction Ça me fait penser particulièrement au graphe. Et à l'heure dual. Oui, alors évidemment, aujourd'hui, en fait, euh, aujourd'hui, cette remarque est possible parce qu'on sait très bien que euh, donc, les objets se, dé se, se définissent par les relations qu'ils entretiennent entre eux, etc. Et donc il y a toute une nouvelle physique qui étudie les objets comme non plus un ensemble d'atomes, de, de, mais comme les relations en fait, qu'entretiennent, et notamment, c'est euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, les physiques quantiques, euh, etc., etc. Mais euh, ce, ce genre de proposition, il faut le remettre dans son contexte. On est en 1900. 18 là euh, et donc du coup euh, là euh, pour l'époque c'est ça va vraiment être une petite révolution euh, donc euh, donc donc voilà on, on reparlera des interactions de la, des, des physiques interactionnistes euh, et de tout, de tout cela euh, peut-être peut-être plus loin quand on abordera justement qu'est-ce que c'est qu'un objet simple pour Ludwig Wittgenstein et là à ce moment là on pourra voir si c'est équivalent ou pas en tout cas du point de vue de l'intuition euh, en 1918, dire que le monde est la totalité des faits et pas des objets, je peux te jurer que c'est une révolution. Et que euh, oui, aujourd'hui, peut-être, on a l'intuition que c'est un peu équivalent, mais euh, parce qu'on a euh, étudié toutes ces questions et qu'en fait, on sait que c'est un peu l'œuf ou la poule, le fait ou l'objet, etc., bien entendu. Mais je peux te jurer que cette révolution-là, c'est une petite révolution copernicienne à l'époque. Donc, on continue avec la 1.1. 1. 1. La 1.1.1. 1. 1 celle qui est surlignée là. Le monde est déterminé par les faits et par ceci qu'ils sont tous les faits. Je lis la seconde parce que ça va nous permettre d'expliquer ça. Car la totalité, donc vous, vous notez ici que le tout, c'est le tout qui est souligné ici. Hein. Vous voyez qu'il est en italique dans le texte. Le monde est déterminé par les faits, et par ceci qu'ils sont tous les faits. Car la totalité des faits détermine ce qui a lieu et aussi tout ce qui n'a pas lieu. D'accord. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que ça veut dire ah, Attends, il y a quelqu'un qui dit ça me tue d'entendre son nom à chaque fois, vu qu'il y a un Ludwig von Wittgenstein dans la campagne de l'ennemi intérieur de Warhammer. <laughs> ah bah ben ça, je ne je, 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 je me souviens pas de ça. C'est marrant. Pourtant, je l'ai fait de cette campagne. ça m'aurait marqué ce truc-là. Eh ben, j'ai peut-être pas, j'ai peut-être pas eu l'occasion de le rencontrer ce personnage. Il, ou alors on en avait parlé, puis ça m'est sorti complètement du truc. Euh, donc, alors, le monde est déterminé par les faits et par ceux qui sont tous les faits. Alors, ça, c'est très important. La totalité des faits détermine ce qui a lieu et aussi ce qui n'a pas lieu. Donc il faut bien comprendre que euh, les faits euh, pour Wittgenstein, c'est uniquement ce qui est le cas. C'est uniquement ce qui est le cas. Ce qui a lieu. Donc par exemple, je vous donne un fait, par exemple, Nicolas Sarkozy est président de la France. Le 2 avril 2024. Voilà. Nicolas Sarkozy, le 2 avril 2024, est président de la France. Ah. On me dit qu'il n'est pas président. Attendez. Darmanin, Rachida Dati, Bruno Le Maire. Attendez. C'est qui Emmanuel Macron Non. Non, non, c'est C'est qui ça un petit nain, un petit nain. Alors non, donc ça, ça c'est pas bien. Hein, ça c'est pas bien. C'est, non, les comparer à cause de leur taille, c'est vraiment pas bien. Bon, alors donc, oui, évidemment, Nicolas Sarkozy n'est pas président de la France. Même si on, on croirait, ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui est président de la France. C'est Emmanuel Macron qui est président de la France le 2 avril 2024, le jour où nous enregistrons ce live. Alors pourquoi cette petite boutade? Eh bien parce que vous voyez, à partir du moment où je dis que Emmanuel Macron est président de la France le 2 avril 2024, j'énonce un fait, c'est le cas, j'énonce un fait du monde. Et ce faisant, en énonçant ce fait, eh bien ça me permet d'éviter de dire tout un tas de faits, tout un tas de faits qui sont des faits négatifs de ce fait-là. Par exemple que Nicolas Sarkozy est le président de la France. Non. Donc le fait Nicolas Sarkozy n'est pas le président de la France est vrai aussi. Puisque c'est Emmanuel Macron le président de la France. Donc le fait Napoléon est le président de la France, c'est faux. Enfin donc le Napoléon n'est pas le président de la France, c'est un fait. Donc vous voyez la totalité. Si je pouvais énoncer avec vous ce soir, un peu comme Chuck Norris qui est capable de compter jusqu'à l'infini deux fois, imaginez que je sois capable de, 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 de vous donner de vous donner la totalité des faits. Je vous énonce une liste de faits. Emmanuel Macron est le président de la France. Euh, je ne sais pas, par exemple, je pourrais dire quoi, comme fait aussi euh, 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 Netanyahu est un nazi sans prépuce. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire, comme fait, euh, euh, je ne sais pas... Euh, des trucs comme ça par exemple euh, euh, Donc bah, Israël par exemple, euh, Israël euh, a attaqué La bande de Gaza par exemple Israël a attaqué la bande de Gaza C'est un fait euh, Du coup en fait ça par exemple Ça me dit que la, par, Si je dis Israël a attaqué euh, La bande euh, de Gaza Et eh bien donc c'est un fait Et donc du coup ça déclenche tout un tas de faits négatifs Du genre euh, par exemple euh, euh, Il n'est pas le cas que euh, la bande de Gaza, euh, par exemple, a envahi Israël. par exemple. Si je dis, par exemple, Israël a envahi la bande de Gaza, je sais par, par conséquence que euh, la bande de Gaza n'a pas envahi Israël. Par exemple, je... voilà, un fait négatif. Mais par exemple, vous voyez, euh, Israël a envahi la bande de Gaza n'est pas un phénomène, euh, n'est pas un, un fait négatif de la Russie a envahi la bande de Gaza. Parce qu'il pourrait tout à fait se trouver que la bande de Gaza. Soit envahi à la fois par la Russie et par Israël. Par contre, dans la mesure où on sait qu'il n'y a qu'un seul président de France, dire Emmanuel Macron est le président de la France, ça déclenche aussitôt l'effet négatif suivant Nicolas Sarkozy n'est pas le président de la France, euh, Gérard Darmanin est encore heureux n'est pas le président de la France, Bruno Le Maire est encore heureux n'est pas le président de la France, Éric euh, 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 Zemmour est et encore heureux, n'est pas le président de la France, etc., etc., etc. Et donc, du coup, Picsou, effectivement, Live me dit Pixou également, Picsou euh, n'est pas le président de la France, donc, etc. Et donc, on peut comme ça, parce qu'on connaît un fait euh, véritable, on peut comme ça en, dé, en, dé, euh, en décliner, en, en déduire, pardon, tout un tas euh, de faits négatifs. Et donc, si à un moment donné, on disposait de tous les faits positif donc de tous les faits euh, euh, ouais, positifs j'aime bien ce bien ces termes positif négatif parce que je pense qu'ils sont c'est une image hein, c'est une image hein. mais ça vous permet comme ça de bien voir le truc et eh bien par contraste en fait par contraste et eh bien comme on a tous les faits positifs on voit par contraste tous les faits négatifs et donc la totalité des faits détermine le monde qui a lieu et il détermine aussi par conséquence le monde qui n'a pas lieu Oh non, j'ai raté mon épisode mensuel de Lulu expliqué aux personnes âgées. <laughs> je sais. Salut, F... salut fille de prof. La pêche, je sais pas. Je... Apparemment, il y a eu. <laughs> Mais oui, ça va nickel. On va très très bien, très très bien. Alors, euh, quoi Ils ont envahi, ils ont envahi la bande à Pixou. Israël a envahi la bande à Picsou. Et d'accord, ok, merci. <laughs> <'est les> <laughs> Alors je vois l'idée de l'exemple, mais théoriquement c'est possible que deux pays en guerre s'envahissent mutuellement. L'exemple des couleurs est peut-être plus clair. Si la pomme est rouge, elle n'est ni verte ni bleue. Alors ça c'est très intéressant, Arrakis. Tu viens de nous énoncer un truc intéressant, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a certains faits qui ne permettent pas d'en déduire les faits négatifs qui vont avec. Par exemple, si je dis donc Israël a envahi la bande de Gaza, le fait négatif qui va avec, c'est Israël n'a pas envahi la bande de Gaza. C'est ça le fait négatif. Par contre, Israël a envahi la, la bande de Gaza et la Russie a envahi la bande de Gaza. Les deux, en fait, faits pourraient être vrais simultanément. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que ça traduit ça, mon cher François Ça traduit le fait que Israël a envahi la bande de Gaza n'est pas un fait du monde. Ça, alors là, attention, tous les journalistes euh, se réveillent me tombent dessus. <laughs> en tout cas, il n'est pas un fait métaphysique pour Ludwig Wittgenstein, c'est-à-dire qu'il n'est pas un fait qui appartiendrait à cette liste de faits euh, telle qu'elle serait énoncée dans euh, le monde tel qu'il est le cas. C'est parce qu'en fait, en réalité. Et c'est ce que j'avais expliqué à Daniel Schneiderman dans le podcast consacré au fait. Dans le podcast pardon, consacré à l'interview de Daniel Schneiderman, j'avais fait un trade consacré au fait après ce podcast où je distinguais deux choses l'événement et le fait. En réalité, l'invasion de la bande de Gaza par Israël, c'est un événement, ce n'est pas un fait. Voilà. Et donc ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il peut y avoir plusieurs faits euh, euh, conjoints ici c'est parce qu'en réalité, ce n'est pas un fait, c'est un événement. Voilà, je, je, je te fais la réponse courte, hein, François, mais je... voilà. Euh, donc, si j'ai tous les faits positifs, j'ai par le même coup tous les faits négatifs. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et c'est le, le point 1.1.2. Point c'est que, comme nous le dit Wittgenstein, la totalité des faits détermine ce qui a lieu. Et aussi tout ce qui n'a pas lieu. Et on en tire le 1.1.3, l'effet dans l'espace logique sont le monde. Ah, ça, ça c'est ça très 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 important chez Ludwig Wittgenstein. Alors justement, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai laissé, euh, vous ai laissé un petit coin là. Parce qu'en fait j'avais envie de dessiner des trucs. J'aime bien dessiner des trucs, vous savez. Vous savez que j'aime bien dessiner des trucs. Alors ici on nous dit, les faits dans l'espace logique sont le monde. Alors regardez, je vais vous faire un petit dessin. Non. <laughs> ça, ce sont des objets. D'accord Ce ne sont pas des testicules. Je hein vous, vous vois venir, je vous connais. Donc, ce sont. <laughs> ce sont les objets A et les objets B. Ici, donc, on a un objet C. Bon. Tous ces objets ont des possibilités de relation. Par exemple, on sait que A peut être en relation avec C. C'est une possibilité de cet objet. Et on sait que A peut être en relation avec B. On sait aussi que euh, B peut être en relation avec D. Tac, on va rajouter D. Voilà. Toute ressemblance avec le symbole de sens serait purement fortuit. Hein, pour... Donc A est en relation avec B. J'ai dessiné... Des petits ronds dans lesquels j'ai mis des objets, un objet A, un objet B, un objet D, un objet C, ce sont des petites bulles. Et j'ai dessiné des petits pointillés qui vont entre A, qui sont entre A et B, entre A et C et entre B et D. Et vous constaterez qu'il n'y a pas de pointillés entre D et C. Ça veut dire que la possibilité d'une relation entre D et C est exclue par l'espace logique. La possibilité d'une relation entre B et C est également exclue de l'espace logique. De même, la relation entre A et D est ici exclue de l'espace logique. Seule une relation entre A et B, une relation entre B et D et une relation entre A et C est le monde logique. Donc ici, on a un monde, on a un espace logique, un espace logique. Oh là là, pas un monde logique. Pas un monde logique. Chut Dites pas ça, ça va réveiller mi-fausse. Donc on a ici un espace logique dans lequel A et B peuvent entrer en relation, B et D peuvent entrer en relation, A et C peuvent entrer en relation, mais B et C ne peuvent pas entrer en relation, A et D ne peuvent pas entrer en relation, et D et C ne peuvent pas entrer en relation. Je pense que vous avez compris ça très très bien. Bon, bah ça c'est des possibilités. Et maintenant, attention, sous vos yeux ébahis, je vais montrer le monde tel qu'il est. Et voilà. Fin de tour. En fait, il n'y existe dans le monde que deux relations. Ici, on a un tout petit monde dans lequel il n'existe que deux relations. Une relation entre A et B et une relation entre D et B. Autrement dit, A est en relation avec B, D est en relation avec B, B est en relation avec A et B est en relation avec D. Mais vous voyez ici que euh, la relation qui, qui était possible entre A et C n'est pas actualisée. Donc, euh, ici, le monde... C'est la totalité des faits. Donc la totalité des faits, c'est les faits qui sont ici en noir, c'est-à-dire les traits pleins. Donc dans le monde, j'ai AB, j'ai BD, et c'est tout. C'est tout, c'est ARB plus exactement et BRD. C'est tout. Et la possibilité de AC existe, mais elle n'est pas le cas. Donc la totalité des faits, ici AB, BD, me donne tous les faits à savoir que A est en relation avec B, que B est en relation avec D, mais il me donne aussi le fait négatif que A n'est pas en relation avec C. Donc la totalité des faits me donne également la totalité des faits négatifs. Donc vous voyez en fait que le, le monde est déterminé par les faits et par ceux-ci qui sont tous les faits, car la totalité des, euh, des faits détermine ce qui a lieu ici, les traits noirs, et aussi ce qui n'a pas lieu. Ici, les traits qui sont restés en pointillés sans être noirs, d'accord Et on voit que les faits dans l'espace logique sont le monde. Donc, je pense que vous avez bien compris ici la différence entre l'espace logique et le monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est, il est tel qu'il est. Le monde, l'espace logique, c'est l'ensemble des mondes possibles, l'ensemble des mondes possibles, d'accord Donc, par exemple, il est possible que je sois en couple. Avec Arakis, il est possible que je sois en couple avec Fide Prof. Il est possible que je sois en couple avec Damasque. Il est possible que je sois en couple avec Boody Tous ces couples. Toutes ces couples de relations sont possibles. Seulement, il se trouve que je suis monogame, que par ailleurs je suis euh, donc euh, euh, hétérosexuel et euh, marié. Donc euh, voilà, je ne suis pas polyamoureux. Et donc, il se trouve que je suis en couple avec Flavie Brillant et uniquement avec Flavie Brillant. Mais il y a un monde possible dans lequel euh, Boudi, euh, Live et moi-même. Eh bien, ma foi, le soir, euh... t'es jaloux, Brand Ah, je savais que ça allait te faire venir. <laughs> Je savais que ça allait te surveiller. Donc, donc voilà, vous voyez, voyez l'idée. Vous voyez bien l'idée. C'est-à-dire que. Euh, les et donc, toutes les relations. Toutes, pardon. Toutes les relations dans le monde. Non, mais rassurez-vous, il y a plein de relations. Non, mais arrêtez, arrêtez. Non, je t'ai plus. <laughs> non, je, plus je, je fais des jaloux, je fais des jaloux. <laughs> c'est horrible. Donc, euh, donc, ce que j'essaye je, de vous dire, c'est que tous les objets du monde pourraient être en relation avec d'autres objets dans le monde. Par exemple, euh, la bière. Par exemple, cette tasse. Euh, euh, de Naruto pourrait être dans ma cuisine, euh, dans ma salle de bain, euh, pourrait être euh, à côté du PC de, de, de Jérôme larré. Ou, euh, mais seulement voilà cette tasse euh, euh, publiée d'ailleurs par Abyscorp hein, de mon ami Mathieu Baudouin, hein, voilà je, je, je voilà et eh bien euh, cette tasse et eh bien il se trouve qu'elle est chez moi et qu'elle est en relation avec moi d'ailleurs euh, elle va être bientôt en relation avec ma bouche. Hein. Je sais que vous êtes jaloux. <laughs> Donc voilà, donc ici euh, on a des objets qui sont, on a un objet qui entretient des relations avec tous les objets de l'univers, parce qu'il est aussi situé à euh, je ne sais pas combien d'années-lumière de Proxima du Centaure, il faut imaginer quand même que chaque objet est en relation avec euh, des milliards de milliards d'objets, hein. c'est-à-dire c'est un truc de fou, hein. donc euh, la totalité des faits les gars euh, on n'y est pas encore. Hein. Il nous faudrait au moins une super machine pour euh, pouvoir avoir la totalité des faits. Personne ne fait ça. Donc, euh, donc voilà. Bon, je vous rappelle que c'est un des propos de Sens, évidemment. On arrive à créer une machine dans laquelle la totalité des faits nous est révélée. Je vous laisse aller voir le trailer de Sens si vous voulez en savoir plus. Mais c'est euh, justement le Wittgenstein, l'auteur, qui a inspiré Sens. Donc, euh, vous savez maintenant pourquoi. Alors, donc, rapidement, donc, je pense que vous avez compris cette notion d'espace logique et cette notion de fait. Donc, si on a tous les faits, par contraste, on a tous les faits, euh, négatif et donc on voit on, on se rend compte qu'on voit euh, peu à peu l'espace logique apparaître euh, mais c'est pas un événement le rapport entre tata et ta bouche si tout à fait tout à fait jérôme c'est parfaitement un événement absolument et en réalité euh, euh, en, en réalité le, le monde euh, tel que wittgenstein le décrit euh, nous on ne peut pas le connaître en tant qu'humain on ne peut pas le connaître, parce que tous les objets qui nous entourent sont des objets euh, phénoménologiques qui sont en réalité plutôt des événements que des, euh, que des objets simples, tels que le pense la métaphysique de Ludwig Wittgenstein. Il faut imaginer que Wittgenstein, en fait, ne, dans le Tractatus, ne dit pas euh, ce que sont les objets simples du monde, et il ne dit pas ce que sont les relations du monde. Euh, il dit qu'il est nécessaire que le langage... Enfin, en fait, que cette vision du monde est préjugée et présupposée par le langage que les êtres humains emploient. C'est-à-dire qu'en fait, cette tasse, j'en fais un objet simple. J'en fais un objet simple de la même manière que moi, je, je fais de moi un petit A, un petit B, un objet simple. Et j'imagine qu'il existe une relation entre moi et cette tasse. Mais quand je zoome encore plus sur la tasse, je vois des atomes. Euh, des atomes qui sont en contact avec les atomes, par exemple, de mes lèvres. Je vois des interactions bioélectriques, biomécaniques, des interactions, par exemple, à échelle de la physique quantique euh, avec, euh, bien sûr, les énergies électromagnétiques, etc., etc. Et donc, Wittgenstein ne dit pas. Euh, ce qu'est le monde, il ne, il ne remplace pas les physiciens, si tu veux Jérôme. Ce qu'il dit, c'est euh, le monde selon le langage enfin, dit, le langage, pardon, présuppose que le monde soit composé d'objets qui entrent en relation. Mais il ne dit pas quels sont ces objets et quelles sont ces relations. Par contre, comme tu viens de, de le signaler dans le chat, c'est un indice. Quand euh, un, quand, comment dire, quand un objet, quand un, une interaction entre deux objets attient tient plus de l'événement que du fait, bah, voilà, Je, je sais que, que je pourrais décomposer cette tasse en une anse, de l'eau à l'intérieur, de la peinture noire, des marques, etc. Et d'ailleurs, si tu as lu le Maelstrom, et je sais que tu l'as lu, le premier article que j'ai écrit s'appelle la réification. Pour Wittgenstein, le phénomène de, ré, de réification, c'est le fait de faire d'un objet un objet simple. Donc là, quand je dis la tasse entre relation avec euh, ma bouche, effectivement, je fais deux objets simples un, objet, un premier objet simple qui est la table et un deuxième objet simple qui est euh, la bouche. Euh, voilà. Et euh, en jeu de rôle, on met en relation aussi des objets, et c'est pour ça que la réification était un, un, une notion très importante pour moi dans, dans euh, la création de, de JDR. La relation existe en soi, ou est-ce qu'il faut la constater pour qu'elle soit le cas, nous dit fille de prof. Non, non, la relation existe en cas. Il y a la relation entre des objets simples selon Wittgenstein... J'espère que vous avez compris grâce à la question de Jérôme, grâce à la question de Brand, que en fait, les objets dont il est question dans le tractatus, personne n'en a fait l'expérience. Personne ne sait, et surtout pas Wittgenstein, ne sait ce que sont ces objets simples et ce que sont ces relations. Ce que dit Wittgenstein, c'est que le langage procède en créant des objets et en mettant ces objets en relation. Mais il ne dit pas que le monde est, 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 est comme ça. Il ne dit pas que métaphysiquement le monde est comme ça. Il dit, il est né, le langage nous pousse à voir le monde comme ça. Il ne dit pas que le monde est comme ça. Petit 1. Petit 2 euh, Si le monde est tel que Wittgenstein le décrit. C'est une possibilité, on ne sait jamais. Peut-être que notre langage et euh, peut-être qu'on est des dieux et qu'en fait notre langage est vraiment fait pour être en adéquation avec le monde. Hein. Euh, qui sait, qui sait. Peut-être que c'est nous qui avons créé le monde qui nous entoure. Il y a des philosophies qui le pensent. Bref, je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces relations n'ont pas besoin d'être expérimentées pour exister. Les relations qui composent le monde euh, euh, des objets simples, je n'en ai jamais fait l'expérience empirique. Jamais, 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 je n'ai vu des relations simples. Jamais, je n'ai vu des objets simple, pas plus que je n'ai vu des atomes, pas plus que je n'ai vu des relations entre des objets quantiques, entre des électrons et... Euh, euh, enfin, entre des électrons. Bon. Donc, euh, du coup, euh, évidemment, ces objets simples sont inconnaissables. Attention, hein, euh, on n'est on est pas dans une... Euh, enfin, ils sont inconnaissables. C'est-à-dire que dans l'absolu, euh, si le monde est composé comme Wittgenstein le pense, ils sont inconnaissables. Mais encore une fois, notre langage présuppose... Que le monde est, or est organisé comme ça. Ce que dit Wittgenstein, c'est pas que le monde est comme ça. Ce que dit Wittgenstein, c'est que notre langage nous fait voir le monde comme ça. J'espère que vous avez bien compris. Donc la relation existe-t-elle en soi ou est-ce qu'il faut la constater pour qu'elle soit le cas Eh bien, ma foi, on la constate à travers le langage, mais par contre, on n'a jamais prouvé avec un microscope que les objets étaient tels que Wittgenstein les imagine. Est-ce que ça va là-dessus je voudrais avoir votre confirmation. J'attends un petit peu s'il y a d'autres questions sur ce sujet. Si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas. C'est un point crucial. Si vous avez compris ça, franchement, je pense que là, on est au cœur euh, du, du... On est déjà... Voilà. On est, non, il ne faut pas dire ça. On n'est pas au cœur du traité. Mais si vous comprenez ça, vous allez tout comprendre, en fait. Ça, ça va être la, la pelote sur laquelle tirer. Euh, on n'est pas au cœur du traité. Il y a, y, a y a beaucoup de... Il y a une interro, la semaine prochaine, les gens... Il y a beaucoup, il y a, il y a, si, si vous voulez, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a, on a compris ça, cette histoire d'objets simples, de relations, de, de définition du monde, il y a eu une séparation entre deux manières de lire le tractatus. La première manière de lire le tractatus, c'est d'y voir un traité de métaphysique, c'est-à-dire d'imaginer que ce que dit Wittgenstein, c'est que le monde est comme ça. Il est comme ce que je, ai, comme, comme ce que je vous ai montré là, c'est-à-dire c'est eu des interactions entre des objets. Ça, c'est une première vision des choses, une vision métaphysique du tractatus. Et donc de dire le monde que la physique doit rechercher, donc le monde que M. Einstein devait rechercher à cette époque-là, le monde que les physiciens doivent rechercher à cette époque-là, eh bien, il doit avoir cette tronche-là, il doit ressembler à ça. Et c'est ça le monde tel qu'il est. Et donc ça, c'est une première vision. Et cette vision, elle a été défendue par un groupe de logiciens, c'est le groupe qui s'appelle le cercle de Vienne. C'est une vision réaliste du Tractatus. C'est une façon de voir le traité comme une, un traité de métaphysique. Et Wittgenstein, lorsqu'il a été invité par le sac de Vienne, les a complètement bâchés en fait. Au lieu de leur expliquer le traité, eh bien, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récité un poème. Et cette attitude de Wittgenstein vis-à-vis -vis du sac de Vienne montre que le sac de Vienne s'est trompé d'interprétation. Ils se sont trompés en voyant, en croyant voir dans le traité. Un traité de physique, un traité de physique euh, de, 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 de très basse échelle, alors qu'en réalité, ce que dit Wittgenstein, ce n'est pas que le monde est comme ça. Ce qu'il dit, c'est que le langage doit être comme ça pour pouvoir décrire le monde. Et c'est bien différent. Alors, je lis vos questions. Il présente un modèle du monde qui correspond à la manière dont le langage a de le traiter, afin de mieux montrer que la manière dont le langage traite le monde amène à des contradictions oui c'est exactement ça exactement ça françois ça va être le but du traité ça va être un des buts du traité on verra que ça va encore plus loin que ça mais effectivement c'est une euh, c'est un élément euh, c'est un élément du traité effectivement Osha nous dit maintenant que deviennent que deviennent les cercles de vienne <laughs> Pas vu venir celle-là, <laughs> effectivement. Euh, le cercle de Vienne, ma foi, je, je, je ne sais pas s'il si, y a des héritiers du cercle de Vienne encore aujourd'hui, évidemment. Mais je ne sais pas si. Maintenant, euh, euh, si on sait que l'interprétation, évidemment, du cercle de Vienne est, 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 est mauvaise. L'interprétation du cercle de Vienne est mauvaise. Euh, le langage de Wittgenstein ne rend pas son objet si simple que ça. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Beaucoup de personnes se sont arrêtées déjà à ces premiers aphorismes mais on les comprend. Euh, euh, là, euh, moi, moi, si je suis capable de vous décrire, en fait, ces aphorismes de cette façon là c'est parce que j'ai lu la suite donc je peux, vous les je peux vous expliquer en fait au départ moi le, quand j'ai lu le traité de Dieu j'ai rien compris je n'ai rien compris et en fait c'est à force de le relire que ah oui très, ce point là fait référence à ce point là ah oui là il dit ça là il fait ça mais si t'as pas un passeur pour t'expliquer en fait le tractatus c'est le c'est le dark souls de la philosophie en fait c'est le c'est le traité en fait si t'as pas un passeur qui t'aide à te dire ou enfin si tu art, si tu art, si tu pas le livre en fait comme un ouf et vo voyant chaque aphorisme comme un boss indépassable et tout ça et que tu fais des allers-retours si tu fais pas des allers-retours dans la fiction c'est un vrai labyrinthe si tu veux donc si tu fais pas des allers-retours la fiction tu comprendras jamais le tractatus heureusement il y a des gens par exemple comme Mathieu Marion dont j'ai le livre ici là qui permettent en fait de, de rentrer dans le tractatus de, de très facilement, donc ça, c'est un bon passeur. Mathieu Marion, tu as des gens aussi comme, euh, comme David, euh, David Pierce. Voilà, ils sont les, tous les auteurs en fait qui m'ont permis de comprendre un petit peu mieux. J'ai apporté aussi le livre de d'Armstrong qui s'appelle euh, Combinatorial Theory of Possibility. Désolé, je suis très mauvais en... Voilà, tout ça, c'est des, des livres, en fait, qui parlent de, du, du tractatus et qui aident à mieux comprendre. Et puis, j'ai eu un passeur qui s'appelle Pascal Ludwig, qui est donc euh, professeur de, de, de philosophie et qui m'a permis, en fait, de rentrer dans les premiers aphorismes du tractatus et de pouvoir lire. Mais le, le meilleur... Euh, un des passages secrets aussi vers le tractatus, c'est euh, les carnets 14-16 que je vous ai montrés la dernière fois. Euh, donc, c'est vrai que le langage de Wittgenstein est compliqué. Je, je, vraiment, je le reconnais, mais je trouve vraiment... Jérôme, pour répondre à, à, ta, à ta critique, qui est une critique sur la pédagogie du Tractatus, que je partage complètement, ce livre est un infâme, est un en fait, c'est absolument pas pédagogique du tout. Euh, ouais, mais vraiment, il en vaut la chandelle, et je te jure, pour le jeu de rôle, c'est un truc de malade. Ce qu'il a à nous apprendre, en fait, de comment on construit euh, des objets, en fait, euh, dans, avec le langage, eh bien, nous. Pour nous, en fait, rôlistes qui passons notre temps à créer euh, des, du contenu fictionnel à l'aide euh, du langage, c'est ultra précieux. Parce que s'il est certain que la métaphysique euh, de la réalité. Euh, s'il est incertain que la métaphysique de la réalité corresponde à la vision du langage de Wittgenstein. Il est certain en revanche que la métaphysique des parties de jeux de rôle correspond absolument à ce que Wittgenstein décrit du langage. C'est-à-dire que oui, le réel... Non, Wittgenstein n'a pas écrit un traité sur le monde réel. Non, le, le tractatus ne vous donnera pas la vérité sur l'essence du monde. Mais par contre, le tractatus va vous permettre de mieux comprendre la nature des objets que vous créez au cours d'une partie de jeu de rôle. Et c'est pour ça, en fait, que le tractatus est un livre, un ouvrage de philosophie qu'il nous faut comprendre en tant que, que créateur euh, de jeux de rôle, enfin, que passionné de théorie de jeux de rôle pour, faire, pour, pour Jérôme et pour moi. À minima, parce que je sais que vous êtes nombreux, nombreuses dans ce chat à être passionnés de théorie de jeu de rôle aussi, parce que vous, vous suivez la cellule depuis longtemps, hein, j'en doute pas. Mais voilà, je, je, moi je pense que vraiment Wittgenstein c'est un auteur incroyable pour, euh, pour notre, notre, notre champ de, de recherche. Et donc ça vaut le coup d'y prendre, de, de passer un petit peu de temps euh, sur, ce, sur, ce, sur ces notions-là. Perso, j'ai trouvé le webcomic euh, existential comic très bon pour vulgariser les rapports entre Wittgenstein et le sac de Vienne, entre autres. Ok, j ai, j ai pas, je ne l'ai pas vu, je vous laisse... Et puis c'est très drôle, nous dit François... Eh ben écoute, pas de problème, on est, euh, les, je vous invite à aller, à aller euh, regarder ça, du coup je fais entièrement confiance à François pour tout ça. Il travaille sur Wittgenstein avec moi depuis longtemps, à travers Sens et tout, donc euh, je pense qu'il sait de, de quoi il parle. Euh, donc, euh, eh bien c'est pas mal hein, ce qu'on a vu là ce soir. Euh, les faits dans l'espace logique sont le monde, donc là je pense que vous avez compris. Le monde se décompose en fait. Bon, là, finalement, le monde se décompose en fait et le monde est tout ce qui a lieu. Euh, C'est quasiment la même proposition. D'accord C'est juste que dans un cas, il dit. Le monde est tout ce qui a lieu, donc le monde est la totalité des faits. Et dans un autre, en fait, il dit si je veux découper en fait le monde, si je veux le morceler, toujours pareil. Hein, il euh, il parle du monde évidemment tel qu'il est décrit par le langage. Salut Antoine, euh... <laughs> c'est vrai que vous appelez tous Antoine. <laughs> Salut Ashland, ça fait très plaisir. Bah dis donc, mais c'est trop cool. Vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir de voir tous. C'est parce que t'es convaincu que j'écoute. Mais c'est vrai que euh, de se dire qu'il faut trois livres d'interprétation et des carnets pour comprendre est très étrange pour moi. Moi, j'arrête de t'interrompre. Oui, je, je comprends parfaitement. Je, je comprends parfaitement. Ce qui s'énonce bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Il y a, il y a, il y a, il y a nos sous là-dessus. Et à vrai dire, Jérôme, il n'est pas nécessaire d'avoir lu le Tractatus pour faire des parties de jeu de rôle et pour comprendre les mécaniques qui sont à l'œuvre dans le jeu de rôle. Je, attention, je, je dis pas ça non plus. Mais je pense que vraiment, c'est un, un bon outillage. Une bonne, euh, tu vois, un petit peu comme toi, tu as fait des études de cinéma et ça beaucoup euh, ça t'a beaucoup aidé le, le vocabulaire du cinéma pour euh, pour comprendre en fait les, les les mécaniques et les choses qui se jouaient dans le jeu de rôle et ben je trouve que euh, wittgenstein a, 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 apporte aussi en fait son lot d'outils euh, Intéressants et après j'avoue que euh, je, je comprends parfaitement que ça puisse ça puisse saouler de prendre, de prendre autant de temps pour le faire. Et c'est justement pour ça que je fais des petits live-switch avec vous, ça permet de poser des questions, d'approfondir de, en fait les choses, j'espère être un petit peu plus pédagogique que le tractatus, euh, et donc de vous aider à y voir un petit peu plus clair et de faire la pédagogie de tout ça, j'espère y arriver, modestement, mais j'aimerais bien y arriver parce que vraiment il y a des choses à creuser. Euh, les faits dans l'espace logique sont dans un moment, le monde se décompose en fait. Alors, donc là on va rentrer dans le 1.2, euh, dans la décomposition du monde et on va voir en fait que là Wittgenstein il va... Il va zoomer complètement sur le fait on va rentrer en fait dans l'analyse euh, détaillée du fait Là, là on va être confronté à des difficultés incroyables. Vous allez voir les phrases, il y a des phrases parfois, tu te dis mais je les comprendrai jamais ces putains de phrases quoi. Je dis c'est du dark souls, quoi. J'y arriverai jamais, quoi. Et en fait, vous allez voir petit à petit, grâce aux explications que, que je vais vous donner, vous allez, euh, vous allez euh, réussir à vous en sortir. Salut gros, ça va la pêche, chemise, alias Adrien, qui était avec moi ce week-end. On a passé un super week-end avec Adrien et Natacha. On n'a pas enregistré de podcast, bah non, parce qu'on s'est occupé des enfants. On a préféré jouer plutôt que d'enregistrer des podcasts. Honte à nous, mais euh, voilà, c'était vraiment trop cool. On a passé un super week-end de Pâques euh, en famille. C'était génialissime. Euh, ça me fait plaisir de te voir sur ce chat, évidemment, gros. Euh, voilà, et t'as perdu au jeu, parce que fallait bien. Donc, on va rentrer. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, on a vu le monde. Le monde et à l'intérieur du monde, les faits. Et bien maintenant, on va décomposer les faits, on va rentrer dans les faits, on va zoomer dans les faits jusqu'à voir les petits objets qui décomposent. Et ça va être compliqué. Donc le monde se décompose en faits. Euh, certains aiment le mot dissoudre ici. Le monde se dissout en fait, je me souviens comme ça qu'il y avait une ancienne traduction française qui avait été faite et que le traducteur avait, avait mis le monde se dissout en fait. Et moi j'aime assez, uh, le je sais que décomposer c'est bien mieux hein, en termes de traduction, mais j'aime assez le terme dissoudre parce que là on va vraiment faire un travail comme ça de, 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 de presque de, de chimique, de décantation en fait du fait. Donc, euh... Euh, pourquoi tu dis tiens, 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 fille de prof, dissoudre... Euh... Que pourquoi ça t'amuse Tu m'écris ça tout de suite. Euh, quelque chose peut isolément avoir lieu et ne pas avoir lieu et tout le reste demeurer inchangé. Alors ça, c'est capital. Tout à l'heure, je vous ai dit, il existe, il existe une différence entre un fait et un événement. Affide de prof nous dit dissoudre, ça fait référence à l'acide. Ah, d'accord, ok. Très intéressant. Ok, très bien. Je comprends pourquoi tu... ça te fait sourire. Euh, c'est une référence à sens à nouveau. Alors quelque chose peut isolément avoir lieu et ne pas avoir lieu et tout le reste demeurer inchangé. Je, comme je vous l'ai dit, il existe une différence entre le fait et l'événement. Et l'une de ces différences majeures, c'est celle-ci. C'est le fait que si une chose peut avoir lieu et que cela ne change pas le reste du monde, eh bien, on sait qu'on n'a pas, pas affaire là à un fait. Par exemple, le fait que cette tasse soit dans ma cuisine ou dans ma main, ça ne change pas le reste du monde. Fondamentalement, je pense que ça ne ça n'a pas d'impact sur le reste du monde. Néanmoins, si on voit cette tasse comme étant en relation avec tous les objets du monde, c'est-à-dire à la fois à, imaginons par exemple qu'on veuille situer euh, géométriquement cette tâche, cette tâche, cette tasse dans l'espace euh, dans l'espace physique. Euh, on va dire par exemple, cette tasse est à x mètres de, euh, de la bibliothèque de gauche derrière moi, puis à x, à x mètres de cette bibliothèque de droite, moi, puis à x mètres de euh, euh, la carte derrière moi, puis à x mètres de mon micro, puis à x mètres de mes lunettes, etc. Bon, bah, du coup, dès que je la déplace, je déplace aussi tous les, tous les mètres euh, et donc je rends faux en fait tous les faits que je viens d'énoncer. D'accord Donc en un sens. Euh, le fait que je dise bah, euh, cette tasse, si elle change de situation spatiale, ça ne change pas fondamentalement les autres faits dans le monde, bah, c'est pas vrai. Parce que la situation spatiale de la, de la tasse va changer toutes ses relations avec le monde. Ok Donc ça, ça nous prouve que, par exemple, la notion de... La notion métrique, euh, en... parce qu'elle est euh, une notion euh, mathématique, en réalité, euh, produit des faits qui sont... Euh, qui sont euh qui sont en accord avec la notion de fait telle qu'elle est décrite dans le, dans, le, dans le tractatus. Mais quand on quand un élément peut euh, quand il peut être le cas euh, quand, on, quand, quand deux éléments sont interchangeables et que ça ne change pas le reste du monde, bah ça veut dire qu'on a on n'a on a, on a pas à faire un fait, on a à faire un événement. Parce qu'un fait en fait... Non c'est l'inverse, putain je raconte de la merde. Putain je raconte de la merde. Ouf. Putain, ça, là, ça m'épuise. Ce truc-là, en fait, il faudrait que je puisse dessiner pour vous le montrer. C'est tellement difficile. Euh, comment, je, comment je vais procéder pour expliquer ça Ça être très clair. Euh... Quelque chose peut isolément avoir lieu et ne pas avoir lieu et tout le reste deme demeurer inchangé. L'idée, c'est que, euh, regardez, en fait, je vais, je vais reprendre mon schéma plus haut. Dans l'espace logique, logique des faits, si B et D n'étaient pas en relation, ça ne changerait pas fondamentalement la nature de l'espace logique. A pourrait toujours être en relation avec B, B pourrait toujours être en relation avec D, D ne pourrait toujours pas être en relation avec C, etc. C'est-à-dire que là, le fait qu'un fait ait lieu ou qu'il n'ait pas lieu, ça ne change pas fondamentalement les interactions entre les autres objets dans le monde voilà c'est beaucoup plus clair et en fait cet élément là il va nous permettre de savoir si un fait est un fait ou un événement parce que en réalité si je change un élément et que euh, euh, le, le, ça change si, si en changeant un élément ça change tout le reste de l'espace logique ça veut dire que j'avais affaire à un événement et pas à un fait en gros est-ce que ça va ça alors donc qu'est-ce que tu me dis imagine Putain, j'arrive pas à lire. Imagine être capable de changer des faits avec des pouvoirs qu'on appellera des ombres-pouvoirs, pour faire simple. Eh bien, hors du domaine d'action de son pouvoir, les objets concernés et eux seuls, tout reste comme si le pouvoir n'avait pas eu lieu. Oui, c'est ça, exactement. C'est très bien, ça c'est un bon exemple. Imaginons par exemple qu'on ait un pouvoir magique qui nous permette de changer un fait, selon Wittgenstein. Eh bien, si je change un fait. Quand je change le fait, exactement, c'est très très bien, c'est un très très bon exemple. Imaginons que j'ai un pouvoir qui me permette de changer un fait, et donc de claquer des doigts, et d'un coup, par exemple, je change la relation entre B et D, et je, je change la relation entre B et D, et je, trans, je transforme par exemple la relation entre... Non, non j'enlève je, je, la relation entre B et D, tout simplement. Je claque des doigts et j'enlève la relation entre... Eh bien, ce n'est pas parce que j'enlève la relation entre B et D, que j'enlève la relation entre A et B. Et si par hasard, en enlevant la relation entre B et D, ça cause, si, imaginons par exemple que j'imagine que A, B et D soient des objets. Si j'enlevais la relation entre D et B et que je me rends compte que ça cause aussi un changement de relation entre A et B, eh ben je sais que A, B et D et C ne sont pas des objets simples et que le fait b R, D et a R, et que les faits A-R-B et D-R-B ne sont pas des faits. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Mais oui, l'exemple de François est très très bon. Si un fait en fait, je peux claquer des doigts. Et, euh, et quand je claque des doigts, eh ben ça change rien. Et donc ça vous dit que, ça vous montre à quel point à tel point euh, le les, les choses que l'on aperçoit dans la réalité ne sont pas des faits et sont des événements. Parce que par exemple, imaginons par exemple que je prenne la pluie, par exemple. En Bretagne, il pleut tout le temps. Bon, vous le savez. Bon, je claque des doigts je, et je fais j'arrête de pleuvoir. A votre avis, est-ce que j'ai touché à un fait ou pas ben, évidemment non j'ai arrêté un événement, parce que le fait qu'il arrête de pleuvoir, ça, ça cause des tas de trucs. Ça fait que du coup, il y a des plantes qui vont dessécher, ça fait que du coup, il y a des trucs qui devaient être mouillés, qui ne le seront pas, euh, etc., etc. Nous, on vit dans un espace qui n'est pas l'espace logique de Wittgenstein, et qui n'est pas un espace d'effet de Wittgenstein. On vit dans un, dans un espace qui est rempli d'événements. Et la preuve de ça, c'est la notion de causalité. Si quelque chose est causé par autre chose, alors, cette chose n'est pas un fait mais un événement. D'accord Ça, c'est très important. La notion de causalité, les événements sont des, sont des éléments qui sont causés les uns les autres. Les faits de Wittgenstein ne sont, pas des, ne sont, ne sont les causes d'aucun autre fait et ne peuvent être causes d'aucun autre fait parce que les faits ne sont pas des événements. J'espère que, euh, que vous avez compris cet élément. Ceci dit, ce n'est pas très grave. Si vous n'avez pas compris ça, ça ne va pas vous empêcher de comprendre le reste. Hein. pas, c'est pas spécialement. Euh... Je comprends ce qui est un fait, du coup. Ok. Ok, ok. Par, par extension, euh. Ah non, tu comprends pas ce qu'est un fait du coup. Ok, oui, alors c'est totalement normal parce qu'en fait, il est extrêmement difficile, euh, Jérôme, d'avoir. Ça m'étonnait aussi, c'est pour ça que je, je lisais ta phrase un peu surpris parce que généralement, ce qu'on comprend, c'est l'événement. Parce que l'événement, on en fait l'expérience. Donc, c'est facile de comprendre un événement. Par exemple, Romaric boit un coup, euh, c'est un événement, ça se comprend bien, on a des exemples, etc. Et du coup, c'est normal que tu comprennes pas du tout ce que c'est un fait. C'est euh, euh, parfaitement normal. Parce que tant qu'on n'a pas, euh, qu pas compris en fait le sens que cette proposition avait dans le cadre du langage, c'est compliqué. En fait, un fait, c'est. Je vais, je, vais, je vais vous le dire maintenant, comme ça ça va, ça va vous aider, mais on aura l'occasion d'y revenir dans la suite du, de la lecture. Le fait, en fait, c'est un, une condition. C'est tru, le truc. Bon, on va faire ça plus simple. Le fait, en fait, chez Wittgenstein. C'est le truc qui rend vrai les énoncés. Par exemple, si je dis il pleut toujours en Bretagne, il y a un fait, il pleut toujours en Bretagne, qui rend vrai cet énoncé. Alors tu vas me dire, bah c'est un événement, il pleut toujours en Bretagne, etc. Oui, mais dans le langage, il passe à ce moment-là, les, les objets simples, c'est la Bretagne, il pleut la relation entre la pluie et la Bretagne, mise en place par le verbe il pleut, en fait, dans le cadre de la phrase, la Bretagne devient un objet simple, la pluie devient un objet simple que je mets en relation, et je fais d'un événement un fait. Quand je dis il pleut toujours en Bretagne, je fais d'un événement un fait. Quand je dis Emmanuel Macron est président de la France à 22h35 le 2 avril 2024, je fais d'un événement un fait. Et donc, euh, c'est toujours euh, qui en fait un fait. C'est toujours qui en fait un fait. Non, toujours, c'est ce qui en fait une loi. Euh, euh, <laughs> euh, alors, non, si. Alors, ok. Donc, prends le cas d'Emmanuel Macron, si ce n'est pas clair, euh, Jérôme. Donc, imagine par exemple, Emmanuel Macron a donc à 22h36, le 2 avril 2024, Emmanuel Macron est président de la France. Il n'y a pas de toujours dans cette phrase. J'ai transformé Emmanuel Macron en, en, en objet simple, la France en objet simple, et pourtant Dieu sait si on sait que la France c'est pas simple, hein et Dieu sait si on sait qu'Emmanuel Macron c'est pas simple non plus. Mais j'ai transformé tous ces objets en, en, en objet simple pour en faire un fait. Et effectivement, dans le monde, je regarde des événements, et je vois des événements en fait qui font, qui provoquent une image, image qui rendent vrai la proposition, euh, euh, Emmanuel Macron est le président de la France. Et en fait, un fait, encore une fois, les faits n'existent pas dans la nature. Oubliez l'idée d'apercevoir un fait dans la nature, vous ne, vous ne pouvez pas avoir un fait. Par contre, vous pouvez constituer des faits en, avec le langage en disant par exemple x, euh, x égale 0, par exemple, je ne sais pas, x égale 0, bah, vous faites un fait, x égale 0, et on peut le vérifier. Évidemment, X n'est pas toujours égal à 0, mais peu importe. Imaginons par exemple qu'on résolve une équation et qu'à la fin on mette X égale 0. On a fait deux objets simples, X euh, et 0, et on a mis une relation entre eux qui est les relations d'équivalence égales. On verra que ces, tous ces symboles X, euh, 0 et tout ça ont, ont un statut particulier dans le tractatus, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Les mathématiques étant, euh, euh, étant un générateur d'objets simples, en fait très très facile à, à manipuler. Donc voilà, on fait des événements des faits en fait. On transforme les événements en faits pour, pour en faire des objets du langage qui viennent rendre vraies nos propositions. Ou au contraire les rendre fausses. Voilà voilà. L'événement il pleut tout le temps en Bretagne. Le fait il ne pleut que sur les cons <laughs> en Bretagne, c'est <j> <laughs> faux. Ah ça y est, j'ai pigé. L'effet qu'on détermine avec le langage et l'effet de Wittgenstein, c'est pas la même chose. Euh, oui en général en fait quand on parle de faits dans le langage quotidien euh, on, on, on parle des événements en fait alors que les faits qui, que, que le langage suppose dans le tractatus le, la notion de fait en fait recoupe un, 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 un champ très très particulier et c'est un faux ami en fait, cette notion de fait, parce que pour nous en fait les faits c'est des, des événements. Quand, quand vous écoutez par exemple l'interview de Daniel Schneiderman sur euh, la manière dont il dit que voilà, les journalistes doivent traiter des faits, en fait il ne parle pas du tout des faits au sens de Wittgenstein, il parle vraiment des événements. Et euh, cette, cette, cette notion de fait en fait a été, euh, a été euh, soit déformée par Wittgenstein, soit euh, déformée par, euh, par, euh, par nous-mêmes en fait. Et par nos incompréhensions euh, euh, au sujet, euh, au sujet du Tractatus. Ok, ça va. On continue. C'est bon. est -ce que, est-ce que, est ce que ça. Bon, et même si ça va pas, même s'il y a des moments où vous, vous pigez pas tout, ça, 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 ça va peut-être venir. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, franchement, j'y réponds avec grand plaisir. Hein. Même Jérôme, n'hésite pas à m'interrompre. Il n'y a aucun, il y a aucun souci. Euh, et c'est totalement normal à ce stade de, de se dire, mais le fait, c'est complètement fumé en fait. Putain. Si c'est un truc que je peux pas observer, euh, si c'est un truc qui n'existe pas dans le monde, mais pourquoi je vais postuler l'existence d'un putain de truc qui n'existe pas dans le monde Et, et c'est vrai que quand on est... Enfin, euh, euh, je pense que Jérôme est assez empirique, euh, assez empiriste, en fait, dans sa, dans sa vision des choses. Et, euh, et je pense il y, y, y a un vrai côté, putain. Si, 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 si je peux pas le voir, ça sert à quoi d'en parler, tu vois Il y a un côté, euh, ça fait chier, quoi. Mais en fait, on va voir que grâce à cette notion de fait qui euh, est euh, dans le langage, et eh bien, c'est ça c'est ça qui va nous permettre de faire du jeu de rôle, en fait, par exemple. Parce que euh, un fait égale un postulat. Euh, euh, c'est compliqué ça, parce qu'un postulat est un élément d'un raisonnement. Euh, le fait n'est pas forcément un événement, un élément d'un raisonnement. Mais je vois ce que tu veux dire néanmoins. Je, je vois ton intuition. C'est dit que c'est un truc qu'on pose, euh, que le langage pose. Oui. En fait, le fait est un postulat linguistique, si tu veux. C'est un truc que le, le langage pose euh, pour exister. Euh, alors, pourquoi je te dis que c'est important pour le jeu de rôle Parce que euh, pourquoi est-ce que je vous dis ça Et je le dis depuis des années, hein, puisque vous le savez, hein, si, vous, si vous êtes lecteur de sens, vous savez très très bien que c'est une des propositions principales de sens. Euh, pourquoi c'est important Parce que en fait, pourquoi est-ce que on y croit à la fiction qu'on se raconte dans le jeu de rôle Eh bien, c'est parce qu'en fait, grâce au langage, on parle en fait d'un monde imaginaire comme on parlerait du vrai. Dans les deux cas, euh, dans les deux cas, en fait, euh, on pose des éléments. Euh, quand, quand, par exemple, si je dis, euh, euh, je sais pas, euh, pff, euh, euh, Narnia est dirigé par Aslan, par exemple, je sais pas. Euh, euh, non, Aslan est le dieu de Narnia. Très très bien. Aslan est le dieu de Narnia. Mettons, on, on dit ça. Bon. Euh, eh bien, en fait, euh, je présente un fait, et je le présente de la même manière que le langage nous fait présenter euh, les faits dans la réalité. Si je dis Emmanuel Macron, non, j'ai pas envie de. de, de, de... De comparer Emmanuel Macron à Aslan, ça me fait chier. C'est pas un dieu ce mec, c'est une pauvre merde. Donc on va plutôt euh, dire... Euh, euh, bah tiens, très bien. Euh, Mahomet est le prophète de, 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 de l'islam. Voilà. Mahomet est le prophète de l'islam. Ce fait, en fait... Il est très intéressant. En plus, c'est un, un super fess. Alors, ça, vraiment, pour expliquer la théorie de Wittgenstein, c'est génial. Donc, j'ai créé un objet simple qui est Mahomet. J'ai créé euh, l'islam qui est un autre objet simple. Je les ai mis en relation par le fait d'être le prophète d'eux. Et euh, on aurait pu tout à fait dire que Jésus-Christ était le prophète de la religion euh, euh, chrétienne. Euh, euh, voilà. De la même manière. Donc ça veut dire qu'on a bien un, 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 un comment dire une relation entre deux objets, le un objet euh, simple et euh, le fait d'être prophète avec. Donc on a la relation être le prophète de, et on a deux objets simples qui rentrent en considération. On pourrait, on pourrait euh, tout à fait imaginer la phrase Mahomet est le prophète de, de la religion chrétienne, de la même manière euh, J, euh, Jésus est le prophète euh, de la religion euh, islamique euh, musulmane par exemple. On pourrait tout à fait dire ça. Mais on va plutôt prendre l'exemple Mahomet est le prophète de l'islam pourquoi parce qu'en fait c'est un fait que vous tenez tous pour vrai et ça c'est intéressant parce que existe-t-il un événement qui rende vrai le fait que mahomet est le prophète et le prophète de l'islam Très certainement, parce qu'il existe des historiens euh, qui ont travaillé sur euh, le personnage de Mahomet, sur euh, le, le, la religion islamique. Mais existe-t-il un fait qui rendrait vrai, par exemple, la notion ⁇ Jésus-Christ est le euh, prophète de la religion chrétienne ⁇ Là, c'est beaucoup plus contestable. Les, les preuves de l'existence de Jésus-Christ sont nettement moindres hein, que celles de euh, Mahomet. Et donc, vous voyez, en fait, que parfois, on fait, de fait, on fait des faits d'événements qui, qui sont douteux, qui n'ont pas forcément existé. Et en fait, ça c'est cool parce que ça veut dire que le langage et les événements sont distincts. Ils sont distincts parce que l'un produit des faits à travers des propositions, et la réalité elle produit des événements, des événements qui vont être décrits par des historiens, etc. Et puis après, les événements, l'événement c'est l'objet simple du journaliste ou de l'historien, mais ce n'est pas l'objet simple de Wittgenstein ici. Donc, vous avez compris que à partir du moment où le langage produit des faits euh, dans, euh, à, à travers des propositions, par exemple La bière est sur la table, euh, où Mahomet est le prophète de l'Islam, on produit en fait des faits de la même manière, et en fait derrière les faits, on imagine, des on imagine et le mot imaginer va être repris par Wittgenstein, on verra que c'est exactement ça, on imagine des, des images, et on imagine des images qui, nous, qui font événement en fait. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire du jeu de rôle. C'est parce qu'on est capable de produire avec le langage des faits qui font image. Qui, qui, qui du coup nous donne à voir un événement, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, en fait, de toute façon, le langage produit des faits. Des faits qui vont nous permettre de voir l'événement derrière. Et donc, euh, dans ce qu'on fait quand on fait une partie de jeu de rôle, c'est qu'on énonce des faits concernant euh, euh, un univers qui euh, n'existe pas. Donc par exemple, si je fais le jeu de rôle Narnia et que je dis Aslan est le dieu de Narnia, cette proposition est vraie dans le cadre du jeu elle est vraie dans le cadre du jeu. Et c'est un fait dans le cadre du jeu. Alors que si je dis Aslan est un dieu et le dieu de Narnia, un... et que je veux en faire un événement, là, les historiens vont me tomber dessus, ils vont me dire, d'abord, c'est quoi cet objet Narnia, c'est très bizarre, et ensuite, voilà. Par contre, les littéraires ne me tomberont pas dessus, parce que pour eux, pour les littéraires, ce qui existe, ce sont des fictions. Leur objet simple à eux, ce sont des fictions. Et donc, dans les fictions qu'ils traitent, oui, Aslan est le dieu de Narnia, Narnia étant l'univers de, etc., etc. Est-ce que vous comprenez tout ça J'espère que ça va, j'espère je... que je ne vous perds pas, j'ai je... très peur. Euh, voilà. Donc, euh, on a fini la notion euh, de monde là ensemble. Vous avez vu, on a vu, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un monde un monde, c'est la totalité des faits. Donc, par exemple, on peut tout à fait décrire avec ça des, des mondes imaginaires, hein, les gars. Il, il, il ne dit pas le monde. Hein. Il dit, il, alors ici, bien sûr, Wittgenstein prétend décrire le monde réel, mais euh, un monde, c'est pas forcément le monde réel. Ça peut être tout à fait le monde de Narnia. Ça peut être euh, le monde de... Ça peut être Rokugan, le monde de, 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 de L. r Ça peut être le monde de Warhammer. Et donc, le monde de Warhammer, c'est tout ce qui a lieu. Autrement dit, c'est tous les faits. C'est tous les faits qui, qui composent le monde de Warhammer. Donc on peut les énoncer. Peut-être que tous les faits qui composent le, le monde de Warhammer, ce sont tout simplement tous les livres, tous les, toutes les propositions pardon, contenues dans l'ensemble des livres qui sont canons pour les joueurs de Warhammer. Par exemple, on pourrait énoncer ça comme ça. Donc le monde est tout ce qui a lieu. Voilà, le monde tel que. Quand le langage euh, énonce euh, voit des mondes, quelque, voit un monde quelque part, euh, c'est tout ce qui a lieu, et donc par extension, on sait ce qui n'a pas lieu. Donc par exemple, si on prend par exemple le monde de sens, par exemple, qui est donc... Euh, euh, eh ben on pourrait dire, dans le monde de sens, il est un fait que Branobéron est l'empereur de la fédération du système solaire. Bon bah si je dis que Branobéron est l'empereur de la fédération du système solaire, ça veut dire par extension. Que je dis le fait négatif suivant, Miphos n'est pas l'empereur de la fédération du système solaire. J'ai postulé l'existence d'un objet simple qui est Miphos, j'ai postulé l'existence d'un objet simple qui est Branoberon, j'ai postulé l'existence de la fédération du système solaire, la FDSS, j'ai postulé le fait que la FDSS était un empire, et euh, donc j'ai dit Branoberon est euh, l'empereur, etc. Donc là j'ai fait un fait, j'ai construit un fait qui est euh, Branoberon. Et donc. Ce qui rend vrai le fait, enfin c'est ce plutôt le fait et ce qui rend vrai la proposition Branoberon euh, 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 et l'empereur de, de cendre, de, de la Fédération du Système solaire Sens, par exemple, c'est un fait mais ce n'est pas un événement. On voit bien que ce n'est pas un événement dans le monde, il hein. n'y a pas d'historien qui travaille sur Branoberon, enfin du moins pas encore, n'est-ce pas Donc voilà. Je pense, que vous avez, je pense que vous avez bien compris en quoi euh, cette, cette, cette notion de monde et comment en fait euh, tout cela euh, comment le langage en fait fait monde, comment le langage produit des faits euh, va, va euh, rendre, euh, rendre compte de la, de la pensée du monde selon Wittgenstein. Et donc il faut savoir un truc, c'est que donc, le, euh, le tractatus est forgé de sept aphorismes seulement. Et donc là on vient d'en faire un. Donc, on a fait un septième. En fait, ensemble, là, on vient de travailler, on vient de comprendre en fait, le niveau 1. Le, le, comment dire le, le, le niveau 1. On a fini le niveau 1. Voilà. On a fini le niveau 1. Et donc, on va passer au niveau 2. Il nous reste 10 minutes. Pour commencer le niveau 2, vous allez être frustré parce qu'à un moment donné, je vais m'arrêter. <laughs> je vais m'arrêter en plein milieu d'un raisonnement, évidemment, comme j'ai fait la dernière fois, c'était horrible. Donc voilà. Donc cette notion de monde. Bon, peut-être peut avant de passer à la suite, vous laissez un peu de temps pour les questions, peut-être. Euh, si vous avez des questions, je ne sais pas. S'il reste des questions. Merci beaucoup, Jérôme. Pour tes interventions. Merci beaucoup François. Merci beaucoup Fille de Prof. Merci à tous. Vraiment, vos interventions elles sont vraiment bien. N'hésitez pas à interrompre. Hein. J'ai vu Jérôme être un peu gêné d'avoir interrompu. Bienvenue Locke Je ne t'ai pas dit bonjour, excuse-moi. C'est un, une faute. Le, le chat a défilé un peu vite et puis j'essaye d'être un peu concentré. Mais merci beaucoup à tous ces gens qui nous rejoignent, à tous ces euh, tous ces nouveaux followers qui, euh, qui, 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 qui font vivre cette, euh, cette chaîne. N'hésitez pas, euh, pas à... Ah tiens j'ai oublié, euh... oublié de lancer Streamlab. Je sais pas si ça marche en cours de live de lancer Streamlab, si ça, si ça actualise du coup. Ah ouais si ça... ça actualise les... En fait logiquement vous êtes censé avoir euh, les subs qui apparaissent en bas. Enfin les... pas les subs, pardon, parce que les subs c'est un... un vocabulaire technique. Les follow. Les follow. Excusez-moi. C'est censé avoir les follows qui apparaissent en bas. Il y a eu plein de nouveaux follow aujourd'hui. Et j'ai pas eu l'occasion de les saluer. Alors je voudrais dire un grand merci à Radrulus, à Wishlefo, à Vulpasio, à Yupidibou, à Narcy Monel, à LocSNK et à Chemise. Merci beaucoup de me suivre sur cette chaîne. Ça me fait super 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 plaisir. Ouais, les alertes sont là, mais... T'as vu ça ne s'actualise pas comme je voudrais en bas là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça s'actualise pas. Voilà, on verra, ça, on verra ça. Je pense que c'est parce que j'ai balancé le truc au démarrage. Hein, que ça s'actualise pas. Mais c'est pas très très grave. Euh, en tout cas, euh, merci beaucoup pour vos questions. Si vous en avez encore sur le monde, c'est l'occasion jamais de les poser. Je pense que vous commencez à voir en quoi euh, Wittgenstein est un philosophe euh, qui va être euh, très intéressant pour le, pour le monde du jeu de rôle. Parce que cette idée de chercher à nous montrer euh, le monde euh, tel que le langage nous le fait voir, euh, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que cette idée de prendre, de dire en fait, je vais aborder les problèmes de la philosophie, non pas euh, par la vérité, non pas en cherchant le vrai, non pas en cherchant à énoncer euh, des, des propositions vraies, mais en cherchant d'abord à euh, étudier le langage. Imaginez, c'est un petit peu, comme, en fait, un petit peu comme Léonard de Vinci finalement. Quand Léonard de Vinci étudie l'optique, étudie l'œil, il étudie la façon dont on regarde. Plutôt que d'étudier le monde, en fait, il cherche euh, euh, l'origine de l'âme. Et pour chercher l'origine de l'âme, il va décomposer comment voit l'œil. Et il va faire la, les, premières, euh, les premières observations en matière d'optique. Ben là, c'est pareil. Wittgenstein dit, mais en fait, avec quoi on fait de la philosophie de la même manière que Léonard de Vinci se dit, avec quoi je regarde le monde Je le regarde avec l'œil. Donc ça veut dire que l'œil contient une partie de mon âme. Et donc il faut d'abord que je décompose la manière dont le champ visuel m'est offert par l'œil pour comprendre en fait l'âme et le monde euh, qu'elle me donne à voir. Et bien de la même manière en fait Wittgenstein dit, mais qu'est-ce qui me permet de faire de la philosophie Ce qui me permet de faire de la philosophie, c'est le langage. Et donc qu'est-ce qui compose en fait fondamentalement le langage Et quest qui, comment le langage fonctionne euh, et, et, et donc euh, du coup, à partir du moment où je sais comment fonctionne l'œil, je sais comment je vois le monde, de la même manière, à partir du moment où je sais comment le langage fonctionne, et bien je vais pouvoir aborder les problématiques philosophiques de façon beaucoup plus intéressante et beaucoup plus intelligente. C'est ça en fait que nous propose de faire Wittgenstein. Alors Arakis, un des buts de l'opération du cours Rome, c'est d'apprendre à reconnaître les modalités de construction culturelle propagandiste, euh, faisant passer pour réelles des fictions. Euh... Tata tata tata. Un des buts de l'opération du courant, c'est d'apprendre à reconnaître les modalités de construction culturelle propagandiste en faisant passer pour réelles des fictions. Euh... Je crois pas qu'il y ait cette volonté chez Wittgenstein de. Pas dans le tractatus en tout cas. Euh... Qu'il y ait cette volonté chez Wittgenstein de lutter contre la propagande politique. Euh, ou de lutter contre la dimension fictionnelle du langage euh, au contraire même parce qu'on va voir que pour lui en fait la fiction euh, la poésie euh, l'art en fait c'est justement ce qui va nous permettre de répondre au problème de la vérité la, 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 les éléments en fait, qui vont nous permettre de répondre aux problématiques existentielles. Donc la véritable philosophie, elle va être euh, non pas dans le, dans le but de rechercher à faire de la philosophie, mais dans le fait de rechercher à faire de la poésie, euh, à faire de l'art, euh, etc. Et c'est d'ailleurs pourquoi moi, en tant que philosophe, qui soit... Qu purement euh, Wittgensteinien, j'ai cherché à répondre à Wittgenstein non pas en faisant un livre de philosophie mais en faisant un jeu de rôle et en faisant justement finalement j'ai suivi en fait euh, les consignes de mon, de, mon, de mon maître à penser en faisant en fait non pas un livre de philo mais en fait euh, un, un JDR pour, euh, pour répondre au Tractatus ou en tout cas pour, euh, pour aller euh, pour montrer en fait ce que le Tractatus voulait nous dire. Ça c'est le premier élément. Dans cette même démarche, je pense beaucoup à AL236 en ce moment, parce que je suis en train de revoir certaines de ses vidéos. Et Al 236 fait un travail sur donc qui est un peintre polonais, me semble-t-il. Ukrainien ou polonais? Ah, je ne sais plus. Mais en tout cas, qui est un peintre, qui veut justement qu'il peint pour ne pas avoir à parler. Et qui veut, qui a toujours dans ses carnets, noté le fait qu'il ne fallait surtout pas avoir une analyse par le langage de son travail, euh, ou en tout cas pas, par, pas en cherchant à l'analyser, euh, en le déconstruisant euh, par un langage, euh, on va dire scientifique ou qui chercherait à énoncer des vérités. Et donc Benjaminski conseille à ses interprètes de les approcher finalement avec le cœur, un peu à la manière dont parle Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. On ne voit pas bien euh, quand on cherche à utiliser le langage pour dire la vérité, euh, pour dire des choses, euh, des, cho des choses vraies. Eh bien, euh, peut-être qu'on s'éloigne des problématiques existentielles humaines et qu'en réalité, les problématiques existentielles humaines doivent être traités avec le cœur. Euh, et bien de la même manière, en fait, Al 236, dans son analyse de Bezinski propose en fait une analyse via un poème, en fait, une poésie. Et sa vidéo est très poétique, il dérive, euh, à, il regarde, en fait, il contemple l'étoile de bezinski et il cherche à essayer de rentrer dans le monde imaginaire de Bezinski Et il a toute une espèce de phase dans sa vidéo, à la fin de sa vidéo, en fait, euh, qui dure quand même... Euh, euh, enfin, la, la fin de la vidéo dure, je sais pas, je crois que ça a duré une petite heure, durant laquelle, en fait, il va analyser l'œuvre de Becksinski non pas avec les mots mais en cherchant à faire un poème pour comprendre en fait euh, le pour comprendre en fait le, le cheminement de, 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 de l'œuvre du peintre donc en fait de la même manière Wittgenstein nous amène en fait à la fin du Tractatus à jeter en fait le Tractatus aux orties et à quitter en fait le champ de l'analyse linguistique de, de cesser en fait de rechercher à voir dans ses propositions du vrai et d'essayer d'y voir du beau pour comprendre en fait ce que ses énoncés cherchent à montrer et non pas euh, pour euh, se dire à la fin le Tractatus dit la vérité. Wittgenstein aurait détesté que quelqu'un dise que le Tractatus disait la vérité. Il aurait dit vous n'avez rien compris. Si vous pensez que le Tractatus dit des énon énonce des choses vraies, c'est que vous n'avez rien compris au Tractatus. Le Tractatus cherche à, montrer, cherche à montrer des éléments constitutifs du langage. Et ce faisant, le Tractatus est une sorte de paradoxe parce qu'on ne peut pas à l'aide du langage montrer les éléments constitutifs du langage. Ce serait comme euh, regarder un œil avec un œil. Ce serait comme, euh, enfin, avec son propre œil, je veux dire. Ce serait re essayer de regarder votre œil avec votre propre œil. Évidemment, vous pourriez dire oui, mais il y a le miroir, etc. Mais, mais euh, voilà. Est-ce qu'on peut euh, commencer par le jeter nous euh, Demande euh, Brand. On peut pas commencer par le jeter. Euh, on peut pas commencer par jeter le traité de Parce que euh, Wittgenstein ne dit pas euh, ⁇ euh, ne lisez pas mon livre ⁇ Contrairement à Sens qui dit euh, ⁇ vous gagnez si vous ne le lisez pas euh, ⁇ Wittgenstein, lui, il dit euh, ⁇ il, il faut euh, traverser le livre ⁇ Il faut le, le traverser comme euh, à la fin, quand on a euh, fini de monter à l'échelle, on range l'échelle au placard. Là, c'est de la même manière, en fait, Wittgenstein vous propose un espèce de voyage euh, avec des propositions qui ont l'air sensées pour vous faire comprendre en fait comment le langage traite du monde et euh, vous faire euh, et tenter en fait de vous de vous faire comprendre euh, euh, que le langage euh, lorsqu'il parle de la philosophie est insensé est un poème en fait et que, donc le tractatus lui-même en fait doit être vu comme une poésie. Fideprof nous demande par rapport aux faits, aux faits simples et aux, faits, aux événements une pierre par exemple Une pierre a pas attendu d'être appelée pierre avec le langage pour relationner avec le monde en tant que pierre. C'est ça qui me perd. Alors, par rapport aux faits, aux faits simples et aux événements, une pierre par exemple, une pierre n'a pas attendu d'être appelée une pierre par le langage pour relationner avec le monde en tant que pierre. Et c'est ça qui me perd. Eh bien, fille de prof, en fait, non, tu n'es pas perdu. Tu y vois clair. Je vais t'expliquer pourquoi. Dire qu'une pierre était une pierre avant le langage, ça veut dire qu'il existait des faits, enfin il existait si le monde existe, si le réel existe. Il existe indépendamment du langage qui se porte sur lui pour le décrire. La pierre existe indépendamment du langage qui se porte sur elle pour la décrire. Même si, fille de prof, attention, il existe tout un pan de la philosophie qui suppose une, une constructivité du langage. Les constructivistes supposent que c'est le langage parce qu'il réifie la pierre qui, te, qui permet à ton cerveau en fait, de, de faire d'un objet une pierre. D'accord Donc déjà, la, 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 la phrase ⁇ une pierre n'a pas attendu d'être appelée une pierre avec le langage pour relationner avec le monde elle, ⁇ elle serait contestée par tout un pan de la philosophie. Mais moi, je te l'accorde, d'accord Je pars du principe que tu as raison. Et qu'effectivement, il existe des objets, indépendamment des êtres humains qui les ont nommés. Il existait des planètes, des étoiles, bien avant les êtres humains, et leur langage, qui, rappelons-le, peut être considéré par les sciences comme le fruit de la sélection naturelle, et uniquement le fruit de la sélection naturelle. C'est une vanière de voir le langage. D'accord euh, Donc, on peut imaginer qu'effectivement, il existait des pierres avant qu'il y ait des humains pour les nommer. Très bien. Donc là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu es en train de distinguer le fait de l'événement. C'est-à-dire que tu dis, il existait des événements euh, avant, avant qu'il y ait des faits. C'est totalement vrai. Il existait des événements avant qu'il existe des propositions pour les décrire. On est d'accord avec ça. Donc, il existait des événements avant les faits. Mais les faits sont un objet qui est postulé par le langage. Est-ce que tu comprends mieux donc en fait t'es pas perdu. C'est juste, juste que tu. Encore une fois, il faut distinguer le fait de l'événement. Des événements, il y en avait avant, avant qu'il existe des faits au sens de Wittgenstein dans le Tractatus. Il y avait des événements. Il, il y a eu des événements avant qu'il existe un langage, effectivement, pour les décrire. Mais le monde, en fait, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que le langage fait des événements, des faits. Il transforme les événements en faits. Euh, et donc du coup, il va, le langage, il fait des. il produit des faits. Et comme il produit des faits, il produit des objets qui entrent en relation les uns dans les autres dans les faits. Et ça, justement, ça va être la partie 2. Ce qui est ce qui a lieu, le fait et la subsistance d'états de choses. Justement, ça va être la suite de l'histoire. Donc reste avec ton intuition, fille de preuve. Enfin, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu es perdu. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que là, tu vois clair, en fait. Effectivement, il existait des événements avant les faits. Donc, tu as raison. Je... En fait, il faut il faut que tu il faut il faut imaginer que les faits euh, sont c'est uniquement ce qui rend vrai les propositions. Donc euh, c'est pas forcément un événement. Quand je dis il pleut toujours en Bretagne, euh, c'est pour certains c'est un fait, mais il euh, n'y a pas un événement qui Ce C'est pas vrai, hein, je, je vous rassure, il fait beau hein, parfois en Bretagne. Hein. Hein, bon c'est pas Adrien qui est dans le chat peut peut-être le confirmer. Il a fait beau là, ce week-end là, Adrien là. <laughs> euh, donc, donc voilà. Ça, ça va. J'espère que je t'ai défi de prof. Il a fait beau dix fois. <laughs> salaud, Adrien. <laughs> D'accord. Donc voilà. Donc la suite de l'histoire. Donc on va s'arrêter là pour ce soir parce que je pense que c'est déjà assez dense. Euh, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas, euh, comment dire, si euh, s'il y a des questions, euh, si vous, vous vous ruminez tout ça, euh, on va dire euh, pour le mois prochain, et puis euh, s'il y a des questions qui vous viennent, vous les notez sur un petit carnet et vous les poserez au début du prochain live. Comme ça, on pourra, euh, je pourrais éventuellement tenter d'y répondre. Et puis euh, c'est cool, euh, c'est cool ça. Ça, ça va nous permettre de, de, bien, de bien avancer. quoi. Alors, donc, euh, Jérôme, parce que appeler, parce qu appeler fait un truc qu'un n'est pas fait, mais énonce par le langage, est super confusant. Parce que appeler un truc fait, ok, ça y est, j'ai compris. Parce que appeler un truc, un fait, un, fait qui, un truc qui n'est que énoncé par le langage, c'est super confusant. Oui, c'est super confusant pour nous. Parce qu'on a l'habitude... Depuis en fait, parce que dans nos études, il faut savoir que, oui, c'est clair et net. Brand, je, je suis parfaitement d'accord. La notion de fait est confusante, parce qu'il faut bien se rendre compte que euh, depuis Indiana Jones, euh, souvenez-vous, dans Indiana Jones, euh, le, euh, dans Indiana Jones 3, il dit le, la l'histoire est la science qui étudie les faits. C'est faux. C'est faux l'histoire est la science qui étudie des événements. mais aujourd'hui c'est rentré dans le sens commun que la notion de fait décrit des événements vrais. c'est à dire qu'en fait on a, on a est- ce que tu vois le, le glissement euh, jérôme? C'est qu'en fait maintenant le fait c'est devenu par glissement dans le journalisme, dans l'histoire euh, c'est devenu en fait un événement vrai. Et ce glissement a fait que du coup euh, le, euh, le, le fait s'est transformé en un événement, mais un événement qui a une particularité, c'est qu'il est vrai. Mais en fait, c'était pas du tout ça la notion de fait à l'origine. Ça, il y a des événements et puis euh, et voilà. Et je pense que ce glissement en fait qu'on a fait, cette confusion qu'on a fait entre le fait euh, et l'événement, elle explique une grande partie des confusions qu'on a aujourd'hui en épistémologie. C'est pas un glissement à mon, à mon humble avis. C'est possible. Hein. Je connais pas l'histoire. J'ai pas fait l'histoire de la notion de fait. J'avoue peut-être que il y a d'autres raisons, euh, euh, etc. Ouais. Peut-être. Hein. C'est fort possible. C'est fort possible. Mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous dans notre langage, euh, 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 je, je te parle juste de Wittgenstein, la façon dont Wittgenstein l'écrit dans le, dans le Tractatus ». Mais c'est clair que la notion de fait telle qu'elle est décrite dans le, dans le tractatus, mais ça c'est commun en philosophie, tu vois. Le bien tel que le décrit Platon, c'est évidemment pas le bien tel que euh, toi tu le dis quand tu sors des chiottes, quoi. Euh, le bien, euh, le beau tel que le décrit Aristote ou tel que le décrit Platon, c'est pas le même. Le beau tel que le décrit Spinoza ou tel que le décrit Platon, c'est pas le même, tu vois. Chaque philosophe a ses notions à lui. Et le fait, euh, ici chez Wittgenstein, n'a pas l'acception, euh, évidemment, qu on, qu on, que de. de du, du, du vocabulaire commun, et c'est ça qui est confusant. Nous, dans notre vocabulaire, le fait, c'est rentré comme un événement vrai, encore une fois. Difficile de faire rentrer ça dans un message, mais j'essayais de parler non de l'intention de Wittgenstein, mais plutôt de la tienne dans cette transmission, entre autres. Comprendre les fondements de comment le langage crée les fictions ne permet-il pas de saper le pouvoir des auteurs qui nous enferment dans leurs romans tout en nous armant pour réécrire les nôtres Absolument. Ah oui, d'accord, ok. Tu parlais pas de la démarche de Wittgenstein, François, tout à l'heure, tu parlais de la mienne, effectivement. Moi, une des raisons pour lesquelles j'apprécie beaucoup Wittgenstein et pour lesquelles j'étudie Wittgenstein, c'est parce qu'effectivement, je cherche à euh, faire des, des distinctions qui permettrait à minima de prendre du recul sur les récits en fait ce que j'appellerais plutôt des récits plutôt que des fictions parce que du coup les récits ça rentre aussi dans le cadre des récits médiatiques que nous présentait Daniel Schneiderman ça cadre aussi avec les récits historiques le roman national etc etc donc voilà c'est effectivement déconstruire la notion de récit euh, ça ira un peu mieux en reprenant les deux lives en continuité pour récupérer ce que j'ai loupé au début. Ça marche. Et n'oubliez pas aussi que... Et c'est normal, au cours des lives comme ça, je m'emporte, euh, je fais beaucoup d'approximations, euh, etc. Donc il est possible que j'ai fait des, euh, des petits glissements, moi aussi, dans la, dans, la, dans la théorie de Wittgenstein et tout ça. Et donc euh, n'hésitez pas, si vous voyez des petites contradictions dans mon discours, euh, n'hésitez pas à me reprendre. Et d'ailleurs, euh, il faut savoir qu'il y a une contradiction dans le tractatus ici. Euh, allez, je vais prendre 5 minutes pour vous l'expliquer après. Je... 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 je, je, je je vais juste lire le chat. Euh, C'est pas un glissement à mon avis, me dit Brand. C'est le participe passé de faire. Oui, ben bah oui. Ben bah oui, tout simplement. Et la confusion fait événement se fait au détriment des propositions fausses. et A -a 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 les fictions. Neudifit le de prof. Et la confusion fait événement se fait au détriment des propositions fausses. Je ne comprends pas cette, euh, cette proposition, fille de prof. Si tu veux éclaircir, si tu veux bien m'éclaircir cette proposition, ça m'intéresserait. Je pense que euh, ce que tu es en train de dire, c'est que les, les propositions fausses, donc euh, par exemple Aslan et le prince de euh, le, le dieu est le dieu de Narnia, nous permet d'avoir des, euh, des fictions en fait. C'est-à-dire que en fait euh, les fictions, euh, oui, euh, les fictions sont créées dans l'espace logique. <laughs> On aura l'occasion d'y revenir à ça. Hein. Mais les fictions, en fait, telles que euh, Narnia, telles que Harry Potter, etc., sont créées dans l'espace logique. D'accord euh, C'est bizarre, mais le Père Noël est dans l'espace logique. Hein. Le Père Noël existe dans l'espace logique des faits. C'est bizarre, mais c'est tout à fait possible qu'il existe. Le, le Père Noël peut exister, en, en un sens. Donc du coup, il, ex, il existe dans le... Le, fait, le Père Noël fait partie du monde, euh, si on considère le monde comme l'espace logique. Et c'est justement l'origine de la contradiction dont je voulais vous parler tout à l'heure. Il y a une contradiction dans les premières lignes du Tractatus. Euh, et on va, je vais essayer de vous la montrer. Euh, donc, euh, on nous dit que le monde est la totalité des faits. Et après, on nous dit que le monde est déterminé... Hein, on nous dit que... Les faits dans l'espace logique sont le monde. Euh, beaucoup de personnes ont vu ici, dans euh, donc, euh, cette proposition, une euh, contradiction. Parce que euh, si on dit que les faits euh, que le monde n'est que les faits euh, les faits actualisés, donc les traits noirs sur mon petit schéma, là vous vous souvenez, il y a des traits pointillés qui représentent les propositions possibles et euh, pardon, les faits. <laughs> je me suis, je m'emballe, je m'emballe, j'anticipe un peu. Donc alors, on a donc les traits noirs qui symbolisent les faits et les traits en pointillés qui symbolisent les faits possibles. Vous vous souvenez de mon petit schéma? Eh bien donc euh, soit le monde, c'est les faits euh, dans l'espace logique, autrement dit le noir plus le pointillé. Soit le monde c'est la totalité des faits, c'est-à-dire uniquement les traits noirs. Et vous avez vu, dans la le, dans le première partie du tractatus, il y a une petite... Alors c'est pas vraiment une contradiction, hein. elle peut se résoudre facilement, mais on pourrait dire eh, « Regarde Wittgenstein, es contradictoire. Dans un cas tu dis que le monde c'est l'espace logique et les faits qui sont dedans, et dans un autre tu dis que c'est que les faits, et que c'est grâce à ces faits-là qu'on voit les faits négatifs. Et Tu dis, tu dis que le monde c'est à la fois les faits négatifs et les faits d'un côté, et en même temps tu dis que le monde c'est que les faits positifs, alors il faudrait choisir. Mais en fait, ce n'est pas une contradiction. C'est parce que les faits négatifs sont une conséquence logique des faits positifs. Et donc, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que le monde, ce sont les faits positifs au sein de l'espace logique. Et ce n'est pas l'espace logique plus le monde, tel qu'il est. D'accord Mais on pourrait ici voir une espèce de contradiction. Bon, là, je rentre dans les... Là, vraiment, euh, vous me poussez dans, les... dans le fond de tiroir. Enfin, je me suis poussé tout seul. Aucun souci avec ça, il faut reprendre son vocabulaire. Ok, ok. Non, non mais je sais, je sais. t'inquiète Jérôme, je, je, je vois bien. Je vois bien que que comment dire, tu es bienveillant vis-à-vis hein, -vis, euh, du tractat, tu sais tout ça, et que tu tu tu, 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 tu ne cherches pas à lui tordre le coup euh comment dire, euh, via ce, cette notion de fait, euh, j'ai parfaitement compris ta démarche qui est d'éclaircir tout simplement cette notion de fait et je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus, c'est que il faut l'éclaircir parce que si on, si on lit le tractat, c'est pour ça qu'il faut un passeur, tu vois, pour comprendre un truc comme ça, parce que si t'as pas quelqu'un pour t'expliquer que les faits tels qu'ils sont là c'est pas les faits que, dont Daniel Schneiderman te parle toutes les semaines euh, euh, ou dont, euh, dont je sais pas, les historiens t'ont parlé pendant des... ou dont Indiana Jones te parle tout simplement dans Indiana Jones 3, bah en fait tu comprends pas en fait euh, ce que dit Wittgenstein ici et c'est normal. Rick Pogan nous dit En tout cas merci pour ce commentaire éclairé Romaric, je sens que lire le tractatus tout seul m'aurait valu une overdose d'aspirine. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est une horreur, c'est une horreur à lire tout seul. Mais vous inquiétez pas, vraiment vous allez voir au terme de, de ces explications, je suis sûr et certain que vous pourrez comprendre le tractatus, il n'y a aucun souci. Si Néanmoins, vous n'êtes pas comment dire, vous n'aimez pas, euh, ouais, on va dire, si vous n'aimez pas euh, le live finalement, si vous n'aimez pas ce genre de truc, on vous explique en la même temps. Je vous invite à lire donc le monde logique, euh, donc, euh, qui est caché derrière l'écran de sens en fait, si, euh, si vous euh, si vous, comment dire, si vous achetez l'écran de Sens, en fait, l'écran de Sens vous, vous sera livré avec Le Monde Logique. Le Monde Logique, donc, c'est un livre euh, qui est écrit dans la fiction de Sens par Mifoscadria Quadrilla, et qui explique euh, mot pour mot. En fait, mais attends, j'ai un, un truc, attends. Euh, je... Tac. En fait, Le Monde Logique, c'est ce bouquin-là. Bon, je vais filer le PDF. Je pense, je, vais, je pense que je vais finir par filer le PDF au, au Patreon. Parce que je crois qu'il ne m'en reste plus que deux. Euh, il ne me reste plus que deux mondes logiques, il faut que je le fasse réimprimer. Et donc euh, du coup euh, Du coup le voilà. Donc le monde logique, c'est un, un, un livre de Miphos Cadria, donc c'est un livre qui est dans le cadre de la fiction de, de Sens. Et donc ce sont des conférences de euh, Miphos où il présente en gros les commenta le commentaire de, de Wittgenstein que je suis en train de vous faire là. Donc euh, en gros euh, vous pouvez tout à fait retrouver par écrit. Donc, ça vous permet de vous arrêter sur chaque mot. En fait, retrouvez, vous voyez, euh, l'effet positif, l'effet négatif. Euh, là, je prends le soleil tourne autour de la terre comme exemple. Euh, voilà. Vous pouvez retrouver ici euh, euh, les, euh, tous les, les schémas, euh, toutes, les, euh, toutes les propositions finalement que j'ai énoncées euh, euh, au cours de ce podcast, je vais dire autour de au cours de ce live. À noter aussi que vous voyez les exemples de faits que je prends dans le dans le comment dire dans le livre de de Myphos, euh, bah, ce sont des regardez, la terre tourne autour du soleil, mais ici Ignos Première est la première impératrice de la terre, bah voilà, ça c'est un fait et pour autant, ce bah, c'est pas un événement de notre monde, c'est un événement du monde de sens. Branoberon est l'empereur de la fédération. Tiens, ben bah, voilà, j'ai pris exactement le même truc. Donc euh, voilà, Donc vous pouvez aussi trouver un commentaire du Tractatus, donc vous pouvez retrouver mon commentaire du Tractatus, ma vision du Tractatus, euh, dans mon livre qui s'appelle Le Monde Logique, donc où je parle bien entendu à travers ce personnage de Miphos cadria À savoir aussi que Miphos cadria présente la vision du cercle de Vienne, puisque lui il pense que le, le, le Tractatus euh, euh, dit la réalité dit le vrai puisque lui il a Cosmo et Ribers qui sont deux, deux machines surpuissantes qui lui ont permis en fait, d'accéder à tous les faits du monde donc il est convaincu en fait que Wittgenstein avait raison et il se trouve dans le sens que le monde coïncide avec euh, la vision de Wittgenstein c'est-à-dire que euh, le, 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 la métaphysique de Wittgenstein dans le sens est la véritable métaphysique contrairement à notre monde réel dans lequel ce n'est pas le cas évidemment euh, donc voilà je vous invite à parcourir le monde logique si vous l'avez chez vous euh, parce que je pense que vous êtes nombreux nombreuses à l'avoir chez vous déjà donc si vous voulez réaccéder à ce petit, euh, ce petit euh, commentaire euh, voilà euh, par écrit ce qui vous permet évidemment bien sûr de euh, comment dire de prendre le temps de, de réfléchir à tout ça voilà voilà, et eh ben je vous propose d'arrêter là, c'était déjà bien dense, enfin je pense. J'espère que ça vous a plu, euh, que vous avez passé un bon moment, que, euh, que vous reviendrez avec plaisir euh, écouter euh, mes délires sur le tractatus de, <laughs> de Ludwig Wittgenstein. Euh, J'espère que ça vous a rendu curieux de cette philosophie qui, est, à mon avis, euh, majeure. C'est une philosophie majeure. Et elle nous permet tellement de, de comprendre le monde qui nous entoure. Alors, elle nous permet de comprendre le monde qui nous entoure, pas la réalité. Hein. Elle nous permet de comprendre le monde qui nous entoure en ceci que le monde qui nous entoure est pour partie construit par le langage. Hein. Donc euh, le tractatus ne mène pas à la vérité, il ne mène pas au réel. Le tractatus nous permet de mieux comprendre la façon dont le langage construit euh, notre, le monde qui nous entoure, construit le monde réel, ou en tout cas nous fait voir le monde réel. Il nous explique la notion d'objet, il nous explique tout ça. Alors, une fois qu'on a compris le tractatus, et bien on peut aller revoir la conférence, enfin, euh, la conférence, l'interview de Pierre Lagrange. Qu'on a fait l'autre jour, puisque Pierre Lagrange, euh, justement, est un sociologue euh, qui euh, ne sait pas, il, il dit ne pas savoir ce qu'est la réalité, et par contre, ce qu'il cherche à étudier, c'est justement la façon dont les acteurs, euh, dont, les, dont les personnes euh, sur son terrain parlent du monde. Et donc, du coup, lui aussi, il est très intéressé, évidemment, par tout, euh, toute cette notion Wittgensteinienne de construction euh, linguistique et tout ça. Et euh, donc, c'est un, un élément avec le. Avec lequel, euh, enfin sur lequel, pardon, avec lui j'ai beaucoup échangé et, et nous serons peut-être amenés à, à rééchanger. Ça me ferait plaisir à un moment donné, parmi ces lives, de vous proposer une petite discussion avec Pierre Lagrange autour de ces notions, parce que, euh, parce que voilà, c'est un bon copain de de, de philosophie, d'anthropologie et tout ça. Euh, Wittgenstein disait un bon ami, c'est quelqu'un avec qui on peut débiter des kilos de non-sens. On verra ce que ça veut dire, mais en tout cas, avec vous, j'ai l'impression qu'on a débité des sacrés kilos de non-sens. Merci beaucoup à vous. Euh, je rattrape un petit peu le live, j'ai rien raté. À noter, nous dit François, que les commentaires de celui-ci sont importants. Par contre, je n'ai toujours pas compris l'intervention de Copra de Bonville. Ok. J'aurai je, je, peut-être l'occasion de revenir dessus. Super que tu fasses toutes ces explications, enfin, après tant d'années de podcast. Euh, J'avais commencé, hein, il y avait un podcast euh, sur Wittgenstein, hein, sur, euh, il y a un podcast sur Wittgenstein dans, dans les podcasts de la cellule, mais c'est vrai qu'on n'avait pas, on on pas pu rentrer autant en fait, dans euh, le détail en fait, de la lecture du, du traité de, de Wittgenstein. Et vous allez voir, la, la semaine prochaine, on va attaquer des, des propositions vraiment hardcore, et des moments où on ne comprend rien. Euh. Et, et Alors attendez, vous allez voir aussi qu'il y a des propositions... Ou moins encore, il y, a des, il y a des aspects des propositions de Wittgenstein que je ne comprends pas encore. Hein. Donc, euh, et je bien malin, bien malin qui pourrait les comprendre. Hein. Je pour avoir discuté avec beaucoup de personnes qui, euh, qui traitent du Tractatus, je peux vous dire que euh, il y a des trucs qui restent encore obscurs, y compris pour les meilleurs commentateurs du Tractatus. Merci beaucoup à vous. Merci pour vos compliments. Une vraie masterclass, Merci beaucoup. Merci mille fois pour tous ces compliments, ça me fait très très plaisir. Merci à Jérôme Larré d'être passé sur le sur le sur le chat pour ses questions. Merci à Fille de Prof, merci à Damasque, merci à Mister Rick Pogan, ça fait super plaisir de te voir là toutes les semaines. Merci à Boody Live pour sa modération, pour sa gentillesse, pour son accueil de toutes les personnes qui viennent ici. Merci à François Newt évidemment d'avoir posé des tas de questions. Merci à Ashland, merci à Alex, merci à chemise d'être passé également. Adrien Caviesac, ça me fait très très plaisir de te retrouver ici. Merci à vous tous et toutes. Merci au nouveau d'avoir, euh, de suivre la chaîne. N'oubliez pas que cette chaîne vit, et la cellule aussi, ne vit que grâce à vos dons sur Patreon et grâce aux achats des jeux et des ouvrages des gens qui sont sûrs, qui viennent à ces émissions. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aller revoir ces vidéos sur YouTube, à mettre la petite cloche, à vous abonner sur YouTube aussi, à partager quand vous voyez les lives qui arrivent sur les réseaux sociaux, à les partager sur les réseaux sociaux. C'est très important pour moi. Ça m'offre de la visibilité. Et n'hésitez pas aussi, comme vous êtes nombreux, nombreuses à le faire déjà, à souscrire au Patreon. Merci beaucoup de votre soutien à tous les Patreons, ça me fait super plaisir de vous voir tous les mois comme ça donner des, des sous pour, pour ma paroisse. <laughs> ça me fait super plaisir. Allez, à très vite, merci beaucoup tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien, à bientôt.